Bien, bonjour. Donc effectivement, on va regarder les contrats de l'ordre. Ça fait un moment qu'ils traînent sur mon bureau. J'ai fait déjà deux vidéos sur les aspects positifs de l'évolution des contrats. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait ça, puisque ça date de janvier, que nous sommes en mars. Je suis très ennuyé parce que bah, je voulais rester très positif et le moins critiques négatives possibles au sujet de ces contrats. Et là, je vous avoue que après lecture approfondie et analyse, hein, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas, c'est pas juste des petits trucs comme ça. J'ai vraiment essayé de me placer du point de vue d'un client. Voilà. On n'est pas dans un monde de bisounours et on a des clients qui vont facilement faire confiance. On a des clients qui vont lire les contrats dans le détail. Et dans la vie de tous les jours, bah le contrat, c'est quand même quelque chose sur lequel le client va se baser au début. Et j'ai envie de dire, si le contrat est bien rédigé, on n'y revient plus. On n'y revient plus jamais. C'est-à-dire que si on y revient, ça veut dire qu'il y a un souci dans la relation avec le professionnel. Alors pour nous, bah, on est architecte. Mais c'est qu'il y a un problème en fait si on revient au contrat. Là, le souci, c'est que sur le contrat tel qu'il est proposé, ça pose énormément de questions et c'est l'architecte qui va revenir sur le contrat en disant, attendez, c'est pas possible, vous m'en demandez trop. Et en fait, dans ce contrat, beaucoup, beaucoup d'éléments vont laisser place à l'interprétation. Et donc sont dangereux, dangereux, on va pas en mourir, mais sont dangereux dans sa posture d'architecte, dans sa posture d'accompagnateur, où finalement on va se retrouver un petit peu dans l'interprétation des articles, des contrats, et donc finalement le client peut nous demander avec ça un peu tout et n'importe quoi. Donc quand on a un peu de bouteille, bah, on est capable de s'en sortir, mais peut-être qu'on a plus besoin des contrats de l'ordre. Je pense à juste titre que l'ordre cherche à accompagner les jeunes architectes qui se lancent. Alors, jeunes, qu'on s'entende bien, vous pouvez avoir 60 ans et être un jeune architecte. Voilà, ça c'est pour passer un peu de crème aux plus anciens d'entre nous. Mais quand on se met à son compte, qu'on ait 40 ou qu'on ait 25, 28, 29, 30 ou qu'on ait 55 ans, parce que les conditions de la vie font que on doit se mettre à son compte, attention au premier contrat que vous allez utiliser. Alors, je vais chapitrer cette vidéo, donc je vais essayer pour chaque article, de prendre l'heure qui se trouve où? Qui se trouve ici. Donc je vais prendre les minutes, et puis je vais vous chapitrer la vidéo en fonction des chapitres et des articles, des contrats, pour que vous puissiez retrouver les choses qui vous intéressent dans tout ça, parce que je pense que je me lance pour une vidéo qui va être relativement longue. Donc les prérequis de cette vidéo, c'est je souhaite apporter des points d'amélioration à ce contrat. Voilà, on est tous faillibles. Moi aussi, je propose des contrats. On est perpétuellement en train de les faire évoluer. La vie évolue, donc dans le bâtiment, ça évolue très vite aussi. Et voilà, ce sont des points d'amélioration et point de vue. Et voilà, je me place vraiment du point de vue du client. Une petite anecdote, je faisais de la voile, j'ai fait quelques régates, voilà. Et puis il y a un jour où la réglementation à la voile a changé, et quand un autre voilier se met en faute par rapport à vous, vous avez la possibilité de demander une réclamation une fois que vous êtes arrivé à terre et de dire voilà, tel bateau, il m'a coupé la route, il a refusé la priorité, il l'a fait de façon volontaire, je porte une réclamation, voilà. Et en fait, en mer, quand vous avez cette situation, vous devez dire quelque chose. Et à l'époque, on devait dire réclamation. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça. On lève la main, on dit réclamation, voilà. Et à partir du moment où on a dit ce mot-là, on a toute légitimité à aller à terre pour porter réclamation à la sortie de la course.
Sauf que, entre le moment où moi je l'ai appris et le moment où j'ai fait cette fameuse régate, où j'ai découvert les choses, ce n'était plus réclamation qu'il fallait dire. Et d'ailleurs, la personne m'a dit, qu'est-ce que vous avez dit en mer à votre au bateau sur lequel vous réclamez? J'ai dit réclamation, j'ai dit réclamation, j'ai dit réclamation. Et elle m'a dit, aujourd'hui, c'est plus ça qu'il faut dire. C'est je réclame. Voilà. Peut-être même que je suis en train de vous intervertir les deux, parce que je vous parle de ça, ça fait 15-20 ans. Mais le bon mot, la bonne phrase à dire, c'était je réclame. Voilà. Donc le contrat qui était établi entre deux belligérants sur la course, ce n'était plus le mot réclamation, mais la phrase je réclame. Et comme je n'ai pas dit je réclame, ma réclamation était irrecevable. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait appel à ce contrat, aux règles de la course? Parce qu'il y avait eu un litige. Quand un contrat est bien rédigé, quand l'histoire que l'on raconte à nos clients est bien rédigée, il n'est pas question de dire je réclame. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette dynamique constructive, cher conseiller qui avait pris du temps pour rédiger ça, je pense qu'on peut vraiment améliorer encore et encore ce contrat. Et je vous donne des pistes pour la prochaine fois. J'ai déjà approché l'ordre pour essayer d'apporter des choses positives. Bon, on m'a fait comprendre qu'il fallait faire ceci, cela, machin. Bon, très bien. Donc voilà, je vous l'apporte en vidéo. À tous, autant les conseillers qui avaient rédigé ça, et encore une fois, je vous en remercie d'avoir pris du temps pour ça. Mais aujourd'hui, le quotidien que je vis ne correspond absolument pas, à 75% du contrat qui est proposé par l'ordre aujourd'hui. Alors, je suis un architecte à mon compte, je suis un libéral, je travaille principalement pour le particulier, mais aussi pour le privé. En ce moment, on a une pharmacie qui est en cours. Par exemple, donc le commerce, on a des agriculteurs, on a voilà. Donc en fait, j'estime, je pense, représenter à peu près 99% des architectes qui ont à peu près tous au moins un ou deux contrats avec le privé dans l'année. Et puis je pense que pour les jeunes archis, c'est le contrat avec le privé, c'est donc ce contrat-là vers lequel les jeunes archis, les jeunes praticiens à leur compte vont se tourner. Et donc j'estime qu'il y a des dangers. Clairement, il y a des dangers. Et nombre d'architectes qui se tournent vers nous, vers Instant T, nous font part de beaucoup de déboires qu'ils peuvent éviter parce qu'ils s'engagent trop, en fait. Et je pense, très honnêtement, que les contrats qu'on a en face de nous sont beaucoup trop engageants et font beaucoup trop de promesses et donc beaucoup de déceptions. Voilà. Alors on y va. Pourquoi je donne donc les. C'est pas il est, c'est. On est à 8 minutes 10. Hein, et donc à 8 minutes 10, je me lance sur l'analyse des contrats. Sur la globalité, il y a. Je me permets de faire cette critique toute positive. Par rapport aux chiffres que l'on a dans Archigraphie. La rémunération des architectes est excessivement faible par rapport à la qualité que nous apportons, je suis très sincère en disant ça, par rapport à la qualité que nous apportons de service à nos clients. Voilà. Et ce n'est peut-être pas bien mis en avant comme il faut. Donc je me permets cette critique par rapport à une rémunération qui est relativement faible. Si la rémunération était haute, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Et nous ne serions pas là. Donc, généralité. Je vois aussi que dans ces contrats, il y a un formalisme de dingue, de dingue, de dingue, de dingue, un contrôle. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on est dans de l'agilité. Voilà, donc je regrette très sincèrement que ces contrats soient finalement sur un système qui est un peu désuet, qui est le tout contrôle. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le tout contrôle. D'accord? C'est plus ça. On doit être capable de faire évoluer notre prestation perpétuellement le temps de la mission. Surtout qu'on ne vend pas des bonbons. On vend une prestation longue qui dure des mois.
Hein? Des mois, des mois, des mois. Donc ça évolue tout ça. Les données du projet évoluent, c'est évident. Donc si on cherche à tout contrôler dès le premier contrat, c'est mort. C'est mort. Voilà, tout simplement, c'est mort. Il y aura une sortie de contrat qui sera immédiate. Voilà. Alors, nous passons à 10 minutes 16 à l'article 2, information concernant le projet. Donc, nous sommes dans le contrat pour visite conseil. Alors, je vais prendre ça plutôt, hein, ce sera beaucoup plus simple et plus interactif. Donc on est ici dans les informations concernant le projet. J'ai pris le contrat pour visite conseil et on est donc sur la méthode en deux contrats pour simplifier la vidéo parce que voilà. Mais encore une fois, je vais chapitrer pour que ce soit plus simple pour vous hein, de retrouver les articles qui vous intéressent. Donc nous sommes dans un contrat pour visite conseil. Waouh! Bon. Informations concernant le projet. Alors, j'ai un peu dit beaucoup de choses. On donne toutes les informations, tous les machins. Voilà, informations concernant le projet, il faut les références cadastrales, surface du terrain. Au secours, au secours, au secours, le formalisme. Et là, je vais vous parler de freins. Se dire, mais le client, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait appel à un artisan maçon pour s'occuper de ses travaux? Avec qui le contact est facile, qui peut-être va un peu l'emmener dans ses avantages et dans ses défauts. Ou est-ce qu'il fait appel à un architecte que tu n'as même pas commencé à discuter avec lui du projet, qu'on est dans un formalisme de ouf, que l'architecte, toi, puisque nous sommes confrères, que tu vas devoir vendre au téléphone et donc passer énormément de temps pour faire passer une énorme pilule qui est un contrat pour visite conseil. Voilà. Donc il y a énormément d'informations. Donc je pense que le formalisme pour la visite conseil, donc les deux premières pages que l'on a là, sont beaucoup trop importantes pour une simple visite conseil. Je ne vais pas faire de pub pour Instant T. D'accord? Parce que si je commence à dire comment on fait Instant T, on n'a pas fini. Hein. Évidemment, on a développé des outils, des machins, des trucs qui vont droit à l'essentiel. Bref, voilà ce que je pense. Le formalisme pour une simple visite conseil est extrêmement lourd et peut être vraiment un énorme frein pour certains clients, pour beaucoup, 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 beaucoup de clients en fait. Hein, se dire, oulala, là là, au secours, hein, qu'est-ce qu'on nous demande avant même d'avoir commencé? Donc, 10 minutes 16, c'était l'article 2. Article 3, donc 12.54. Article 3. Je vais couper ma vidéo. Voilà, qu'on se concentre sur l'essentiel. Contenu de la mission. L'architecte visite les lieux en présence du client et pour connaissance des besoins et attentes du client, pré-programme. Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'écrire le mot pré-programme? Je ne suis pas certain, hein, puisque je me mets à la place du client. Est-ce que j'ai un pré-programme dans ma tête? Non! Je veux faire ceci ou je veux faire cela, c'est tout, j'en sais pas plus. Et l'assiste à la formalisation de son programme. Non. Ce n'est pas en visite conseil que l'on peut rédiger un programme. Là, je pense clairement que la rédaction a été malheureusement faite par des confrères qui ont des programmes plus importants, rédigés par des assistances à maîtrise d'ouvrage dont c'est le métier peut-être, hein, ou alors des confrères qui vont minimiser la notion de programme avec des projets d'envergure modeste. Non, je suis désolé, mais même si c'est un projet à 50 000 euros, 80 000 euros, la formalisation du programme ne tient surtout pas dans la visite conseil. La visite conseil, ah, je vois qu'il y a des trucs qui sont coupés. Donc, sur place, là. Non, ah, je ne me relis pas. La visite conseil est l'occasion de la prise de conscience de la pertinence de faire appel à une tierce personne qui va organiser tout ça. Où est-ce qu'elle est ma souris? Qui va organiser tout ça? Voilà la phrase que j'ai écrite et que je viens de lire. Comment pouvez-vous imaginer
C'est pas possible de rédiger un contrat en visite conseil, de rédiger, pardon, un programme en visite conseil. C'est pas là que ça se fait. Voilà, on va en parler plus loin, hein. La visite conseil, c'est l'occasion de montrer au client qu'il n'a pas la vision globale de son projet. C'est l'occasion de lui ouvrir le champ des possibles et ouvrir le champ des complexités. Soit. Mais surtout, ouvrir les choses et non pas commencer à structurer, même si ceux qui connaissent Instant T peuvent se dire, ah bon, oui, on peut structurer, mais de façon très légère. Et le programme, ne tentez pas, je vous le déconseille, vous en faites ce que vous voulez. J'ai 40 ans, vous êtes plus âgé que moi, vous êtes plus jeune que moi, vous avez vos avis, et vous avez bien raison. Moi, je donne le mien, on le prend, on ne le prend pas. Bon, bref. En tout cas, le programme, un programme pour un client, c'est un temps à prendre, c'est plusieurs rendez-vous en fait que l'on va valoriser d'une certaine façon. Mais en aucun cas la visite conseil ne permet d'être pertinent sur la rédaction d'un programme. Vous vous mettez les pieds dans le tapis en promettant un programme. D'accord? L'architecte analyse les règles d'urbanisme, les capacités financières du client et la temporalité envisagée. Il analyse les règles d'urbanisme. Là aussi, il y a une promesse qui est un peu sous-jacente, c'est l'architecte a toutes les règles d'urbanisme sous la main, va les analyser, va vous dire ce qu'il en pense. On doit être sans erreur avec cette phrase. D'accord? Sauf que il y a énormément d'interprétations possibles. D'accord? Donc effectivement, il analyse. Mais le mot analyse, donc analyse, ça ne veut pas dire il dit des vérités. Ça veut dire il porte un avis sûr. Malgré tout, le client en face, il va se dire, ah, c'est cool, l'archi, il va nous dire si c'est possible ou pas. Bah non. Il va vous dire que peut-être c'est possible ou que peut-être c'est pas possible. Mais c'est tout. Il va pas vous dire que c'est possible ou pas. Il va pas s'engager. Donc, dans cette phrase, vous risquez de créer, tu risques de, nous risquons de créer une déception. Bah, attendez, vous avez dit que vous regardiez les règles. Ben oui, je les ai regardées, je n'ai fait qu'analyser. Mais le client en face, il se fait des idées, hein. Les capacités financières ne sont pas données par votre client au premier jour. Allez, 1 sur 10 va avoir décidé de vous faire confiance avant même que vous arriviez. Attention, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les bons clients. D'accord? Ils sont trop dans la démesure, ils sont trop dans l'honnêteté et ça peut être très contre-productif. Donc, disons qu'il faut savoir les gérer. En tout cas, les capacités financières du client ne sont pas données par le client au premier rendez-vous. C'est faux. Voilà. Il va y avoir des évolutions. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est que même s'ils sont honnêtes, 2 semaines après, ils se rendent compte que ce n'est pas eux, mais le cousin qui a eu l'héritage, que la voiture qu'ils comptaient vendre à 8 000 euros, ils l'ont vendue 3 000 parce qu'en fait, elle n'en valait que 3 000. Et les capacités, la latitude financière évolue. Elle va évoluer. Encore une fois, nous devons être dans une agilité dans nos contrats et non pas dans un contrôle permanent du contrat. D'accord? Donc, attention parce que avec cette phrase, l'architecte analyse les règles d'urbanisme, les capacités financières du client et la temporalité envisagée. Alors, temporalité envisagée, c'est bien parce qu'il y a marqué envisagé. Donc, on va avoir analyse plus le mot envisagé. Là, on est capable de dire, bon, voilà. Par contre, règles d'urbanisme et capacités financières peuvent offrir une notion de promesse qui n'est pas tenable. À cette fin, il prend connaissance de l'ensemble des données juridiques, techniques, financières utiles au projet. Mais attendez, votre visite conseil, elle dure combien de temps, les gars, là? C'est pas possible. Elle dure l'après-midi, elle dure la journée. Je reviens cet après-midi, je vais bouffer, je reviens cet après-midi. C'est juste pas gérable. Mais on le sait tous en plus. On le sait tous. Je vous apprends rien. Sauf que là, c'est marqué dans le contrat. Donc on est en train de faire une mauvaise promesse, une fausse promesse à nos clients. Il élabore un rapport qui comprend un programme validé. Voilà. Autant ce qui était marqué au-dessus était interprétable, on peut jouer. Un programme validé? Validé, mais non, mais il n'est pas validé. Pas validé, puis surtout il va évoluer. Le client, en fait, en validant un programme avant même de partir en contrat avec votre client, en contrat d'architecture, on se coupe justement tout ce que c'est l'architecture.
C'est la découverte d'un programme, c'est la découverte des contraintes techniques, c'est la découverte des données juridiques. Et c'est l'architecture, le moment d'architecture, pour moi, c'est ça, c'est venir prendre toutes ces contraintes, les comprendre, les mettre dans un même pot, les organiser. Et vous voulez faire ça en une visite conseil? C'est mort. C'est mort, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, encore une fois, c'est une promesse non tenable. Voilà. Et si vous tenez cette promesse, parce que dans le formalisme, vous faites croire que vous avez tenu la promesse, vous allez vous mettre le pied dans le tapis pour le contrat suivant. Alors, une analyse des contraintes urbanistiques, éventuellement des alertes, mais voilà, c'est pas plus, éventuellement des alertes. Hein. Financière de l'opération, un exemplaire numérique au format PDF. Bon, d'accord, alors, format PDF, c'est rappelé plus tard qu'on peut choisir, donc ça, vous voyez, je ne l'avais pas vu. Donc faites attention parce qu'il y a une incohérence. Voilà, dans un contrat, il faut que ce qui est lu soit le plus cohérent possible. Or là, il y a une incohérence de formalisme sur un exemplaire numérique au format PDF. Voilà. Si le client souhaite donner suite à cette visite conseil qu'une esquisse soit réalisée, un nouveau contrat est conclu entre eux. Bon, très bien. Voilà, vous voyez, tout simplement impossible, c'est par rapport à, il prend connaissance de l'ensemble des données. Mais c'est impossible, en fait, de prendre connaissance de l'ensemble des données juridiques. C'est strictement impossible. Voilà, donc c'est faux. Cette phrase, c'est un mensonge. C'est une promesse mensonge. Donc, attention à cette phrase. Article 3.2. Nous en sommes à 21 minutes 28. Article 3.2. La visite conseil est organisée et dans un délai de tant de jours à compter de la signature du présent contrat. Je me suis promis de ne pas m'énerver, donc je vais essayer de me tenir, mais non d'un petit bonhomme de bois, et puis je vais essayer de ne pas être vulgaire. Mais est-ce que on se rend compte de ce que ça veut dire dans un délai de tant de jours? Voilà. Donc, en fait, on envoie le contrat. Et c'est au petit bonheur du client. Alors, admettons qu'on a mis très peu de jours, 2-3 jours. Bon, le client, il signe, il me le renvoie. Et donc là, il me l'a renvoyé un mois après ou 3 semaines après. Et puis, j'ai d'autres clients qui se sont réveillés et je suis dans un marasme de fou et je dois avancer comme un malade. Et là, parce que j'ai reçu dans le contrat, dans les 3 jours, je dois faire la visite conseil. C'est une blague. C'est une blague. Donc, je ne comprends pas cette phrase. Voilà. En tout cas, que je la comprenne ou pas, si vous cochez ça et que vous mettez une semaine, deux semaines, machin, et que vous vous retrouvez dans... que le client met du temps à signer et que... non, mais au secours, vous vous rendez compte que on se met un pied dans le tapis. Voilà. C'est... De toute façon, on ne va pas arrêter de se mettre les pieds dans le tapis. Alors, excusez-moi, ça peut être très vexant et très lourd pour les gens qui ont rédigé ce contrat. Mais je vous avoue qu'au fur et à mesure que j'ai lu tout ce contrat, je l'ai fait là ce matin depuis 8h30, waouh, c'est lourd quoi, je souhaite à personne de signer ce contrat. En tout cas, je souhaite à aucun architecte de signer ce contrat, je souhaite à tous les maîtres d'ouvrage de signer ce contrat, parce que alors là c'est boulevard, pour eux c'est un boulevard, hein, c'est l'architecte au service de... je vais vous faire une remarque par rapport à ça. L'architecte au service de l'humanité, et peu importe le temps qu'il y passera. Et je vais vous faire une remarque par rapport à ça. Donc, 23 minutes 42. Donc, ma remarque par rapport à ça. L'ordre doit protéger l'architecture. Soit. D'accord ? Donc, 23 minutes 42, l'ordre protège le consommateur vis-à-vis de l'architecture. Eh bien, j'en tremble en disant ça, mais si l'ordre des architectes veut protéger l'architecture, pardon, mais qui doit-il protéger en premier pour que l'architecture soit bien réalisée? Je vous laisse réfléchir. Et je vous dis, j'ai les mains qui tremblent. D'accord ? Donc, quand on a ce genre de phrase, et malheureusement, je vous dis, je n'ai pas fini dans de bonnes dispositions
de lire ces contrats. Quand on a des contrats comme ça, qui mettent l'architecte corvéable à merci, ou presque, quand ils mettent dans cette situation, comment voulez-vous que l'architecte se retrouve à faire de la bonne architecture? Donc, attention, attention, attention à ces clauses qu'aujourd'hui je me permets avec beaucoup d'orgueil, peut-être, j'en sais rien, vous jugerez par vous-même, mais ça me fait mal au cœur. Article 4, 25-21. Article 4, modalité de la rémunération. Pour la mission de visite conseil qui lui est confiée, l'architecte perçoit une rémunération ferme et forfaitaire. Alors, est-ce que c'est versé par chèque? Est-ce que c'est versé par virement? Concrètement, prenez conscience que si vous ne demandez pas juste un chèque au moment de la visite conseil, vous allez avoir des démarches administratives hyper lourdes. Rédaction d'une facture, paiement de la facture. Puis qu'est-ce qui se passe si le mec ne paye pas? Vous annulez le rendez-vous? Donc on est déjà hors contrat en fait. On n'a pas démarré la relation client, qu'on est déjà hors contrat, que vous partez déjà déçu de votre client. Voilà. Donc attention à cette notion de paiement à la signature du présent contrat, à moins que vous signiez le contrat sur place, pourquoi pas. Bon, voilà. Mais c'est un autre frein. Voilà, il faut signer le truc, il faut envoyer le chèque, il faut que le mec il l'encaisse, sinon il va pas faire son rendez-vous. Sinon, faut faire un virement, faut créer un destinataire dans son RIB. Non, mais sans déconner, c'est bon, on a vu un maçon, il nous a dit que c'était OK, quoi. C'est ça qui va se passer dans la tête du client. Voilà. D'accord? Donc pour moi, ce contrat de visite conseil reste un frein à la consommation. Effectivement, c'est très positif de découper en plusieurs contrats, mais malheureusement, après relecture et relecture, le découpage n'est pas pertinent dans la stratégie client, en fait, hein. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une société de consommation et nous sommes en face d'autres personnes qui ont une stratégie de consommation. Et si l'ordre ou si les architectes ne s'y mettent pas, ils continueront à crever. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Donc, article 4, c'était 25-21. Article 4. Voilà. Soit on s'y met, hein, la stratégie, soit on s'y met pas. Là, la stratégie est mauvaise. 27-18, article 5. Là, j'ai rien à dire. Article 6. Donc, 27-27, article 6, litige. Purée. On s'est eu peut-être 1 heure, 3 quarts d'heure au téléphone. Alors, dans le meilleur des cas, quand on est structuré, on a la personne 10 minutes au téléphone, 1 quart d'heure pour vendre sa prestation. Il m'envoie un contrat. Article 6, litige. Litige. Voilà. Bon, bah écoute, ok, hein. Est-ce que j'ai besoin de. Voilà. Je sais pas, vous mettez dans vos commentaires, bah pourquoi t'as rien dit pour l'article 6, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que j'ai rien à dire. Voilà. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. Bon, alors, première partie de la phrase. D'abord, paiement d'avance indiqué plus haut, allez verser à l'acheteur la signature du présent contrat. Donc, pourquoi on va avoir du recouvrement d'honoraires? Je vais pas recouvrer mes honoraires si j'ai déjà été payé. Donc là, il y a une incohérence. Et cette incohérence, elle va être repérée par un client qui va le lire, en fait. Il va dire, oh, c'est bon, je peux lui payer plus tard parce qu'il a déjà prévu le recouvrement si je ne l'ai pas payé en avance. Donc finalement, il sait que je ne vais pas le payer en avance. Donc on verra bien si le mec, il est bien. Ou la nana, d'ailleurs. Voilà. Et puis, la saisine du conseil régional est facultative. Bon, bah, de toute façon, c'est facultatif. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas repéré à ce moment-là, la saisine. Et facultatif, tout simplement que je l'ai lu une fois et qu'il m'a pas, il m'a fait tiquer l'oreille, il m'a fait tiquer les yeux plutôt. Mais voilà, je me suis dit, on va pas, j'ai décidé d'être constructif. Voilà. Malheureusement, on retrouve cette facultativité de la saisine du conseil régional un peu partout, genre, de toute façon, si l'archi n'est pas payé, facultativement, on pourra peut-être s'occuper de notre adhérent. Voilà. demande de règlement. Alors. Demande de règlement amiable, donc on est toujours dans l'article 6 litige, hein, je ne vais pas tout séparer. Demande de règlement amiable d'un litige, donc voilà, on prévoit, il y a un médiateur de la consommation, dur dur quoi. Voilà, c'est pas qu'on donne les bâtons pour se faire battre, parce que
Après tout, si on est structuré, qu'on est professionnel, le client sera content de la visite. Mais il est peut-être un petit peu dommage de mettre autant de formalisme sur le litige. Bien. Eh bien, écoutez, 30 minutes se sont écoulées et nous allons passer au contrat d'architecte client privé. Et je rappelle que je suis sur la méthode en deux contrats pour simplifier tout simplement l'orientation de la vidéo. Alors, je précise, je n'ai pas été forcément chercher une version suivante du 25 janvier, mais voilà. Alors, je ne comprenais pas ce que voulait dire le client est considéré comme consommateur. Donc finalement, c'est le privé, le particulier. On coche bien, alors c'est pareil, client privé, pourquoi je vais avoir à cocher? C'est-à-dire que si c'est un client privé, quid des pharmaciens? Vous voyez, je réagis en même temps que je lis, je continue à découvrir. Donc en fait, l'ordre nous propose un contrat qui est destiné aux clients qui sont ni en activité commerciale, puisque c'est ce que j'ai été chercher, glaner sur Internet, hein, il y a peut-être plus de précision, j'ai été très soft là-dessus. Donc, activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole ne rentre pas finalement dans le cadre de ce contrat-là. Ou alors, faut cocher ou pas. Enfin, là, il y a un peu une incohérence. Client privé, c'est-à-dire que, en fait, non, mais en fait, ça va plus loin que ça, vous voyez, je m'en étais pas rendu compte. Si je suis vendeur de bonbons, je ne peux pas signer ce contrat avec un architecte. Voilà, donc. L'ordre nous a donné un contrat pour l'instant qui est dédié au privé, hein, d'accord? Et uniquement au privé. Enfin, c'est marqué là, en fait, un hein, client privé. Voilà. Donc, y a, limite, il n'y a pas besoin de cocher la case. Article 2. Voilà. Alors, article 2, donc 3157. Article 2. Information concernant le projet. OK. Programme et contraintes. Le client s'oblige, c'est pas marqué, pourrait, dans le cas où il en est possesseur, c'est marqué s'oblige. Voilà. Son programme qui définit ses attentes et ses besoins. Donc, première chose, pas possible. Dire que un client aujourd'hui, tel qu'on considère un client dans le monde des affaires, alors oui, j'ai dit le monde des affaires, on est architecte et nous on fait de l'architecture. Oui, bon, nous sommes encore une fois dans un monde ultra concurrentiel et donc si vous n'avez pas de stratégie ou si vous ne savez pas ce que c'est qu'un client aujourd'hui, tant pis, voilà. Donc, son programme, voilà. Aujourd'hui, un client dans le monde des affaires est réputé ne pas savoir ce qu'il veut. D'accord? Et c'est une des erreurs qui ont été faites depuis toutes ces dernières dizaines d'années où on considère qu'un client sait ce qu'il veut. C'est une erreur. C'est la première erreur du débutant dans le monde professionnel. Je ne parle pas des architectes. Je parle de tout professionnel. Je ne sais pas ce que je veux. J'arrive dans un magasin, je veux des bonbons, mais je ne sais pas lesquels. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai faim parce que le professionnel m'aura orienté. Et puis, je vais prendre un mix entre les deux. Je vais prendre un petit roulé au chocolat. Voilà. Parce que c'est autant une friandise que pour calmer un petit peu ma faim. Donc finalement, je ne connaissais pas mon programme en rentrant dans la boulangerie. On parle d'une boulangerie. Là, je vous parle d'architecture, je vous parle de travaux. Votre client ne sait pas ce qu'il veut. D'accord? On va voir avec lui ce que c'est que son programme. Donc, et on va y venir, hein. C'est par rapport effectivement à l'impossibilité de faire un programme en cours de visite conseil, on va découvrir que faire un programme, c'est une mission à part entière qui est absente de ce contrat. Donc, impossible, voilà. C'est impossible qu'il nous fournisse son programme à ce stade. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Éventualité. Voilà, les éventuelles données techniques, notamment relevé de géomètre et tout. Voilà, donc en gros, modifiez bien la phrase parce que il peut pas, il sait même pas s'il l'a le gars en fait. Peut-être qu'il l'a dans ses papiers, peut-être pas, peut-être qu'il vient d'acheter, il est en cours d'achat, il n'a pas encore acheté. Pff, au secours quoi, au secours. Hein.
Donc, règlement de copro, règlement et cahier des charges de lotissement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On met en stand-by s'il ne les a pas, on met en stand-by la mission s'il ne les a pas. C'est pas possible. S'il faut toutes les demandes, pourquoi c'est là? Oui, alors effectivement. Le client s'engage à effectuer. Déclaration de projet de travaux. Ok. D'adresser la déclaration à tous les exploitants. Je ne sais plus exactement ce que j'ai voulu dire. Mais voilà, en gros, on parle des réseaux souterrains. Mais je veux dire, il n'y a pas que les réseaux souterrains, il y a les réseaux aériens, il y a les réseaux en surface, il y a plein de trucs. Pourquoi dans le contrat on parle de ça là maintenant? Ça veut dire que tous les autres on s'en fout en fait? Bah non, c'est pas. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu. On le dit, c'est bien, mais pourquoi en fait? Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. C'est pertinent, mais si on doit être pertinent, ça veut dire que il faut écrire tous les autres. Bah non, je pense que non, il faut pas. On les écrit pas du tout en fait. Ça fera partie justement de. C'est peut-être ça en fait qu'on est en train de dire, c'est que on fait trop de promesses dans ce contrat de l'ordre parce qu'on veut dire un maximum de choses sans trop en dire. Et en fait, ce qui manque. Là, je m'adresse vraiment aux conseillers de l'ordre. Ce qui manque dans le contrat, c'est ce que vous essayez de mettre dans le contrat et qui n'est pas pertinent. C'est justement toute cette approche du projet qui doit non pas être faite au moment du contrat, mais doit être un élément de la mission. Et ça manque carrément ici, par simplification, par méconnaissance des projets de moindre ampleur peut-être. Mais il manque quelque chose ici, clairement. Et je pense que ce qui manque là, on va en parler, évidemment. Ça répond à ce genre d'articles qui n'ont vraiment rien à faire dans le contrat. Mission, ou alors il faudrait tout décrire. Article 2.2, mission. Alors, on est quoi dans les minutes? 36-52. Donc 36-52, 2.2, mission confiée à l'architecte. Mission confiée à l'archi. Alors, je vais juste. Je peux pas mettre sur pause. Donc 31,57, excusez-moi. Hein. 31,57, c'était l'article 2. Et 30 minutes, c'était l'ordre doit protéger les archis si il veut protéger l'architecture. Donc je recommence pour mon article 2.2. On est à 37,49. Article 2.2, mission confiée à l'architecte. Donc mission complète. Bon, la case est restée à cocher. Donc là, effectivement, dans la stratégie client, c'est la plus grossière erreur à faire. Croire qu'on a signé un client en mission complète, c'est une vaste blague. Voilà. Donc, mission partielle, librement définie par les contractants. Hein. Donc on peut faire son marché sans passer par les étapes importantes. Oui, attention attention à l'interprétation, parce que ça veut dire que le client dit non, mais moi, j'ai juste besoin de la consultation des entreprises, j'ai pas besoin de l'esquisse, je sais ce que je veux. Voilà. Donc. Voilà, on est adulte et on a une capacité de réflexion par rapport à tout ça, mais ça porte à confusion. Le client va, ah, bah moi je prends ça, puis ça j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin des visas, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est pas pour moi, c'est sujet interprétation en fait, tout simplement. Attention, sujet interprétation. Alors, ça là, j'ai mis pourquoi ici? Cas de mission partielle limitée à la conception. Voilà, bah, c'est par rapport au chantier en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai en fait. Je pense que c'est pas au bon endroit. Ça fait poser des questions qui n'ont rien à voir avec la globalité de la mission. Pourquoi tu me parles du chantier alors que tu vois, une direction attribue la direction des travaux à un maître d'œuvre. Pourquoi tu me parles des travaux alors que là on parle de la mission, de l'ensemble de la mission? Je sais pas. C'est pas à cet endroit-là, à mon avis, qu'il faut le mettre. Là, on est vraiment en train de parler de la globalité de la mission. Et ces deux articles-là, finalement, font référence aux deux derniers trucs. Pourquoi? À ce moment-là, faut faire référence à tous.
L'histoire, elle n'est pas cohérente en fait dans le contrat. Un contrat, c'est une histoire qu'on raconte à nos clients, hein, tout simplement. Alors, élément de mission, ici, je pense qu'il faut dire décrire l'article 5, parce que sinon, le client, il va faire son marché sans rien comprendre. Et bien dire, attention, toutes ces choses-là sont bien décrites à l'article 5. Voilà. Alors, 40 minutes et 0,5 secondes, article 3. Pièce contractuelle, présent contrat, les éléments de programme du client, programmation du client. Donc bah, bon, là, j'ai pas mis de notes, mais je pense qu'on m'avait suffisamment entendu là-dessus hein, précédemment. Le rapport de visite conseil, éventuellement réalisé par l'architecte signataire. Bon, très bien, pas très bien. Il ne faut pas que je m'arrête partout, mais bon. Les esquisses éventuellement réalisées par l'architecte. Mais nom de nom, de nom d'un petit bonhomme, de chien, de c'est pas possible. Les esquisses éventuellement réalisées par l'architecte. Qu'on soit en méthode 1, qu'on soit en méthode 2 ou 3 contrats, hein, je parle de la méthode de l'ordre. Ça veut dire quoi? Il y en a combien? Et moi, je me place en tant que client, je signe que ce truc-là, je me dis, ah, l'archi peut me réaliser des esquisses gratos finalement. Il y a déjà des trucs qui pourraient être réalisés, mais attends, c'est où? Je le paye combien? Hop, je vais voir le contrat de visite conseil, puis je me rends compte qu'on peut faire un programme, qu'on peut dessiner des trucs. C'est hyper dangereux, hyper dangereux, hyper dangereux. Hein? Hyper dangereux, je vais y revenir plus loin, mais là, ça y est, c'est le doigt dans l'engrenage où finalement, le client, il est roi en la demeure, il peut demander ce qu'il veut à l'architecte. Ça, c'est la première phrase qui va mettre l'architecte en situation de l'arbinisation. Voilà. Bah, de toute façon, on peut lui demander ce qu'on veut. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? C'est une porte ouverte, mais un truc de fou. Voilà. Donc attention, attention à ça. 41-47. 41-47, article 4. On va dire article 4.1. Alors là, même commentaire, pourquoi on parle des VRRD? À ce moment-là, pourquoi on parle pas de tous les autres lots? Voilà. Donc ça, c'est une porte ouverte pour dire, c'est bon, une fois que tu as fait les VRD, tu as tout fait. Enfin, il n'y a rien d'autre de plus important. En fait, c'est une mise en avant des VRD, alors qu'il y a tout le reste. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Alors les choses positives, j'en ai parlé dans les autres vidéos, hein, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Donc ça, je vous invite à aller voir pourquoi je trouve que cette phrase est très bien tournée dans les autres vidéos. Il est informé qu'à ce montant s'ajoutera le montant des honoraires de l'architecte et que d'autres dépenses seront à sa charge. Et pour moi, si vous voulez, il faut compléter la phrase en disant que l'architecte prendra soin de détailler au fil du démarrage de sa mission. C'est justement toute cette notion. Ah, j'en ai pas parlé au-dessus. Assistance et maîtrise d'ouvrage. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus loin, donc on en reparlera plus loin. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein, ajouter que l'architecte prendra soin de détailler parce qu'il va faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et il va découvrir avec le client les données du projet. Quel orgueil de ouf! On a à dire qu'en visite conseil, on va avoir une vision globale de tout le projet. Mais en fait, c'est même pas de l'orgueil. Et c'est pourtant ce qui est promis dans le premier contrat hein, de visite conseil. Il analyse les risques, gna gna gna. Mais que dalle! Et c'est un mensonge, et c'est de l'escroquerie. Ça n'est pas possible de faire ça. D'accord? Donc, en début de contrat d'esquisse, ou de deuxième contrat, on va prendre le temps de découvrir le projet avec le client, de s'approprier tout ça. C'est pas en une visite conseil qu'on peut faire ça. Et même si on met les moyens et que la visite conseil dure une journée complète, mais vous vous rendez compte, ingérable, ingérable, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi, non, je suis d'accord, mais c'est pas possible. Ensuite, en cas de travaux de rénovation, le client reconnaît avoir pris un travail supplémentaire nécessaire et s'engage à les prendre en charge. Non! Je suis désolé, mais non, vous ne pouvez pas demander à votre client de s'engager à prendre en charge des trucs qu'il ne connaît pas. C'est pas possible. Mettez-vous à la place du gars qui va lire le contrat, quoi.
C'est pas possible. S'il vous plaît, retirez-moi cette phrase de votre. Voilà, l'architecte va pointer du doigt combien ça coûte, pourquoi. Et le client les prend ou les prend pas. Il continue le projet ou il ne le continue pas. En gestion de projet, en pilotage de projet, je parle pas de pilotage d'architecture. Hein. Il faut arrêter de penser que pilotage, c'est dédié à l'architecture et que projet, c'est dédié à l'architecture. Pilotage de projet, c'est le monde entier qui parle de pilotage de projet. Bon. Le pilote, il va aider le client dans ses choix. Et le pilote, il va faire un go, no-go. D'accord? C'est justement l'AMO. C'est toute l'importance de l'AMO qui est complètement squeezée, mais alors complètement squeezée, encore et encore et encore, parce que c'est le marché privé, que le marché privé, c'est pour ceux qui débutent, c'est on s'en fout, c'est, excusez-moi, là, je fais passer un peu d'émotion, mais merde! Pardon, je voulais pas être vulgaire non plus, mais là, c'est pas possible, quoi. Il faut faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le privé. Voilà. Et on résoudra tous les problèmes du contrat. Hein? Et on aboutit, après l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on aboutit à un go ou à un no-go. On y va ou on n'y va pas. Hein? C'est de l'anglais, en fait. C'est go du verbe aller ou no-go du verbe ne pas y aller. Voilà. Et c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout simplement. Voilà. Les contrats ici prennent pour acquis que les travaux peuvent se faire. Mais c'est faux. Mais c'est complètement faux. Voilà. Donc, non, le client, s'il n'a pas envie de les prendre à sa charge, il ne les payera pas. Le projet s'arrête, d'accord, mais il ne peut pas s'engager. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit dans le contrat, quoi. Mais devant un juge, en fait, le contrat, le juge, il va rigoler. C'est pas possible. Enfin, il va le relire à plusieurs fois. Peut pas demander au client de s'engager comme ça. Non, faut arrêter là. Faut arrêter. C'est pas possible. Donc là, on était sur le 4.1. Maintenant, à 46.24, on est sur le 4.2. Rémunération de l'architecte. Alors, tu dis que tu t'engages à payer des trucs que tu connais pas. Et qu'ensuite tu vas en avoir pour 30 000 euros ou 10 000 euros ou 12 000 euros d'honoraires, peu importe la taille du projet. Blam, je te balance ça comme ça d'un seul coup. Bon, je trouve que c'est pas très malin. Encore une fois, on parle de stratégie. Ensuite, c'est mal tourné parce que on dit TTC et ensuite on dit qu'on doit payer en plus des honoraires la TVA. Donc pour moi, il y a une incohérence. Où sont les différents taux de TVA? Qu'est-ce qu'on en parle? Finalement, on en parle plus loin. Je l'ai vu, hein, évidemment. Mais voilà, c'est pas amené comme il faut. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Voilà, pour moi, c'est pas forcément bien amené. Alors, 47.25. Article 4.3. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? La condition suspensive, hein? La réalité est tout autre. La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à 1 mois. Pendant ce délai, aucun commencement d'exécution ne peut être exigé de l'architecte. Ouais, bah vas-y, tu peux le dire sur ton contrat, quoi. C'est complètement irréaliste. Voilà. C'est un contrat qui est détaché de la réalité. Mais alors, quelle banque va faire un accord de contrat, un accord de prêt? Sans les devis, aujourd'hui. Donc, ici, on est en train de raconter n'importe quoi. On sait en avance, on raconte une histoire qu'on sait en avance être fausse. Bah, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Alors si, je sais quoi vous dire. Tout est dans les contrats instantés, dans cette façon d'amener le client tranquillement à la chose. Mais je suis désolé, je suis en train de monter un petit peu, mais je vous avoue que j'ai déjà. Je vous dis, hein, au début, j'ai dit, allez, t'es factuel, tu donnes des points d'amélioration. Voilà. Tu prends les choses comme des points d'amélioration à proposer. Et voilà. Malheureusement, j'ai terminé ma lecture du contrat, dans un état pas terrible. Et je veux garder mes réflexions. Et donc, j'ai enchaîné tout de suite l'enregistrement de cette vidéo. Donc voilà, la réalité, elle est complètement mais différente. Donc, de base, le contrat est en dehors de la réalité. Le client s'engage en cours. De cette période contactée, il s'engage à fournir une copie de chacune des offres préalables. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Et en plus, on n'a pas le droit de bosser pendant ce temps-là. Donc en fait, tu dois avoir des devis d'entreprise sans que l'archi ait bossé. Non mais ils ont déconné quoi? C'est pas possible. Bon, alors, on trouve autre chose. Allez, on se bouge un peu. Bon, en l'absence d'obtention de prêt, hein, encore une fois, ce n'est pas la réalité. Bon, bah, je vous le passe, vous le lisez, et puis c'est tout. Procès d'intention. Ah oui, ça c'est fabuleux. Alors, on ne sait pas très bien qui va causer une faute, une négligence, une passivité ou une mauvaise foi. Et franchement, si je me mets à la place du client et que je lis cette phrase, abus de droit du client, c'est-à-dire que le client abuse de son droit, donc c'est bien le client qui va abuser de son droit. Donc là, en fait, on lui en met plein la figure en disant, voilà, tu vas causer des fautes, tu vas négliger, tu vas pas être passif, tu vas faire de la mauvaise foi, tu vas entraver les trucs. Parce qu'on est quand même sur échec à l'instruction de comportements, comme en cas de comportement ou de réticence de nature à faire échec à l'instruction des dossiers. Waouh! Et ça, on est en train de le dire à notre client, quoi. Non, mais comment voulez-vous que votre client signe un contrat pareil, sans rire, si la personne le lit? Mais moi, je signe pas, quoi. Je ne signe pas. Le mec, il est en train de me faire du procès d'intention, quoi. Dur! Allez, article 5, 50-43, article 5. J'essaye de passer. Contenu des éléments de la mission. Elle est où ma souris? Elle est là. Esquisse, suite à la visite conseil. Mince, pour la cohérence avec le premier contrat. En cohérence, voilà, défini. Alors, bien que je ne sois pas d'accord sur l'aspect programmatique en visite conseil, la phrase n'est pas cohérente puisque dans le premier contrat, la promesse est faite que le programme sera réalisé pendant la visite conseil. Donc, ce n'est pas à la suite de. À la suite de, c'est le rapport, mais le programme. Donc voilà, donc soyons cohérents. Et de deux, le programme est une mission à part entière, vision simpliste des petits maître d'ouvrage. Là, effectivement, je suis désolé, mais je suis vexé par cette tournure des choses, parce qu'on a l'impression que en dessous des gros chantiers, qui sont beaucoup plus simples parfois que les petits chantiers, j'assume ce que je viens de dire. Voilà. Enfin, un programme en deux-deux, c'est bon, il veut des bureaux, il veut des bureaux, il va m'emmerder, quoi. Bah non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, s'il vous plaît, la condescendance, c'est bien, mais non, c'est pas bien. Et là, elle est pas terrible. Voilà. Donc, on fait de la MO même pour du privé. Voilà. Bon, alors là, si jamais je commence à parler, j'ai juste le bide qui tremble, la tête qui tremble, voilà quoi. Il réalise tant d'esquisses simultanément répondant au programme. Non mais sans déconner quoi. Alors, attends, on y va calmement. Ok, une esquisse. On pourrait se dire, bon, une esquisse, on met ce qu'on veut dedans. Que nenni! Que nenni! Qu'est-ce que c'est qu'une esquisse? Bah, c'est décrit là en fait. C'est décrit là. L'architecte établit pour chacune des. Oui, c'est ça. Pour chacune de ces esquisses, un coût prévisionnel des travaux, un calendrier prévisionnel de réalisation. Proposer des esquisses présentant des projets différents. Elle précise l'implantation, l'adaptation au terrain, l'orientation, les accès, l'enveloppe extérieure et ses ouvertures principales, l'organisation des. Non, bah c'est un projet d'architecture, quoi, en fait, tout simplement. Hein? Donc, il réalise tant d'esquisses. Voilà. Bah, désolé, mais là, moi, je suis complètement en dehors de toute considération. Voilà. Et puis, si la troisième esquisse où l'archi s'est crevé à faire les ouvertures principales, l'organisation des espaces, les liaisons, les solutions, les machins, si au bout de la troisième, toujours pas ce qu'il faut, on fait comment? Mais on faisait quoi pendant les études? On faisait des calques. Mais faites des calques, les gars. Moi, j'ai pas besoin de deux ou trois esquisses, j'en fais 30, 40. Et ça se fait au calque, c'est hyper rapide. Et puis, on réfléchit avec le client, c'est le moment d'architecture. C'est le moment d'architecture. Et c'est passionnant. Tellement passionnant, j'adore, 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 j'adore. Et là, poum, on nous balance ça, vas-y, tu fais trois esquisses, deux esquisses, trois esquisses, parce que c'est un peu ça qui est sous-entendu, hein, dans le petit cadre bleu, c'est genre, voilà, tu limites tes esquisses. Mais dis-moi qu'une esquisse, c'est un bout de calque. Et dis-moi, cher confrère,
qui a rédigé ce contrat que tu donnes de la valeur à ton calque et que tu n'as pas besoin de faire tout le reste pour que ce soit de l'architecture. Moi, de l'architecture, ça se fait sur un croquis à 2 balles, un croquis qui tient sur 3 cm par 3 cm. D'accord? Je fais appel à certains architectes d'ailleurs qui font ça, des grands archis, mais ils n'ont pas besoin d'être grands et on est tous. J'ai un bout de feuille, un truc qui fait 10 cm, je peux sortir trois esquisses architecturales. D'accord? Et j'ai pas besoin de faire un coup. Parce que le coup, je le fais autrement. Bon, bref, on ne parlera pas d'Atsu. Donc, non, je suis désolé, mais. Dire un nombre d'esquisses et définir l'esquisse qui n'est autre qu'un projet d'architecture de cette façon, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et puis, ça constitue un méga piège. Voilà. Parce qu'au bout de la troisième proposition que le jeune praticien va faire et que ça plaira pas, toujours pas au client, on fait quoi? On fait quoi? Moi, je vous le demande, on fait quoi? Voilà. Donc, oui, je suis un peu énervé, mais voilà. Zut. Voilà. On va dire que c'est le 5.1.1. Ensuite, esquisse. Conception globale du projet. APS, APD, on est à 55-38. 5 points. Ah oui, alors, 5.1.1, c'était esquisse. Et là, on est sur. Non, c'était celui-là, pardon. Et là, on est sur. APS, APD. D'accord? Ok. Il peut s'agir notamment de plans, coupes, façades, s'il y a lieu. Ok, d'accord. Soit, et de maquettes numériques. Voilà. Donc aujourd'hui, l'architecture, j'en suis dépité, mais dépité de lire ça dans le contrat. Voilà. Et réduit à la maquette numérique. Voilà. Ça me tue. Et on peut faire des maquettes papier, on peut faire des croquis, on peut faire des axonaux, on peut faire plein de trucs. Pour faire vivre l'architecture. Et là, voilà. Bah, même à l'ordre des architectes, apparemment, c'est fini. Le calque n'a plus. Le calque, le prolongement de la main n'a plus de raison d'être. Voilà, super. Donc en fait, on en a réduit. Moi, je parlais d'un sculpteur. Il va sur SketchUp, sur 3ds Max, sur tous les logiciels. Hop, il fait son truc, il prend son imprimante, il balance le truc. Bah voilà, voilà comment tuer le métier de sculpteur. Le sculpteur, c'est celui qui regarde comment la lumière elle accroche, comment ceci, comment cela. Moi, je suis désolé, mais là, je suis dépité. Dépité, très déçu. Très, très, très déçu de cette phrase. Voilà, c'est vraiment un mépris. C'est un mépris de ce que c'est que l'architecture. Un mépris. On méprise mon travail d'architecte dans ce contrat. Dans certaines parties du contrat, excusez-moi. Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés. Attention, l'architecte ne peut deviner l'actualité. Voilà. Ces estimations. Cette estimation tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires. Voilà. Donc, et puis on le remarque un peu plus loin, je l'ai renoté un peu plus loin. Attention, l'architecte ne peut deviner l'actualité. Voilà. Donc on est bien dans une quête du bon prix. Donc ceux qui connaissent, me connaissent, ont bien compris le mot quête. On est dans une quête du prix et surtout pas dans une estimation. Le mot estimation est un fil à la patte, un pied dans le tapis. Et si vous avez 3 pieds, parce que vous avez 3 pieds, et ben vous mettez les 3 dedans. Voilà. Voilà. Toute modification du programme donne lieu à un avenant. Alors, on est effectivement dans de l'agilité, puisqu'on propose justement de faire évoluer le contrat. Maintenant, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut l'écrire. Voilà. Il y a un manque de stratégie pour la présentation de l'agilité dans ce truc. Attention à ça. Donc, on est à 58-30. Et autorisation d'urbanisme. Donc, dossier. Moi, j'appelle ça dossier admin. Alors non, je suis désolé, mais c'est faux. La mission n'est pas obligatoirement réalisée par l'architecte. C'est faux. Et d'ailleurs, dans les campagnes, chers confrères qui ne travaillaient peut-être que sur des grosses missions, mais ça ne représente pas 100% de vos autres confrères, quand il y a une déclaration préalable, il est tout à fait déconseillé, chers confrères et consoeurs, de rédiger, de
de faire la déclaration préalable. Pas dans tous les cas, mais voilà. Donc le mot obligatoirement, il est vraiment pas opportun, vraiment pas du tout. Voilà. Élaboration et collecte des pièces nécessaires, il assiste le client ou alors il assiste le client ou il le fait par lui-même. Voilà, encore une incohérence qui est interprétable, qui donne lieu à l'interprétation et qui donc va perdre votre client. Vous allez dire, putain, vous m'avez raconté une histoire, mais en fait, on se rend compte que même l'histoire de base, elle n'est pas compréhensible. Le client, après avoir signé tous les documents, y compris, dépose le dossier auprès. Donc, mais finalement, c'est lui qui dépose. Voilà. Alors, porte ouverte au mauvais dépôt. Hein, je déconseille fortement, mais alors fortement, mais alors plus que tellement fortement, de faire déposer par les clients. Je n'envoie même plus par la poste. Je dépose par moi-même. Alors, aujourd'hui, il y a le dépôt par Internet. Alors, si en plus vous faites déposer le dossier de permis de construire par Internet, donc là, clairement, cette phrase, encore une fois, elle est en dehors de la réalité du métier. Donc, bah, à partir du moment où vous avez signé le contrat, il est déjà caduc et il porte déjà des erreurs. Voilà. Donc, attention à cette phrase. Pas de récépissé. Et puis, attention, cher jeune praticien, c'est-à-dire qu'on ne s'en apercevra pas tout de suite qu'on n'a pas eu le récépissé signé, que ceci, que cela. Donc, 3 mois après, ah bon, il n'est pas signé le récépissé? Ah, mais il n'est pas valable. Ah, eh ben, le recours des tiers, il est opposable. Eh ben voilà, tu as perdu 3 mois. Donc, attention. Voilà, faites attention. Cette phrase est casse-gueule. Instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme. Postérieurement au dépôt de la demande, hein, l'architecte assiste le client à sa demande. Donc, à la demande de qui? Des mois de retard à prévoir. Oui, ça, c'était pas pour au-dessus. Postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, l'architecte assiste le client à sa demande. Donc, l'arbin, voilà, c'est pas cadré. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on s'en fout, il assiste à sa demande. Dans ses rapports avec l'administration. Voilà. Donc, bah, tant que c'est pas autorisé, tant que le dossier n'est pas passé, je tombe sur la tête de l'architecte et je lui dis qu'il s'est planté, qu'il est trop nul et que je ne le paye pas et que voilà. Donc ça va pas non plus. 1h01:30, 1h30, demande d'autorisation. Non, pardon, oui, assistance constitution. Demande autorisation. Quelles sont donc là, c'est pareil, quelles sont les modalités? Quelles sont les modalités? Bah, on n'en sait rien. Du coup, puis dossier de demande de prêt à taux zéro, donc l'archi discute avec la banque. Le SPANC, donc c'est l'archi qui s'occupe de faire le rendez-vous, qui fait le visa, qui. C'est pas clair. Et du coup, l'architecte est l'arbinisable. Satiété, à foison, comme on veut. Voilà. L'architecte qui s'occupe de tout. Eh ben, bah voilà, bah allez-y, occupez-vous de tout. C'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, donc à ne pas mettre, hein, voilà. 1-02-29, 1-02-29, pro. Alors, bonne formulation. Donc, ça, c'est super comme formulation. Sont laissés, pardon, à l'appréciation de l'architecte. Et ça, finalement, je pense que beaucoup de choses que je dis au-dessus pourraient être pondérées par cette phrase, en fait, à l'appréciation de l'architecte. Donc, c'est l'architecte qui décide de comment on doit faire ce truc-là. D'accord? Donc, ça c'est très intéressant comme formulation. Les études de conception finale et détaillée ne comportent ni les études d'exécution, ni l'établissement des bordereaux. Bon, alors ça, c'est discutable parce que, effectivement, si l'architecte ne le fait pas, par paresse et parce qu'il n'a pas les outils pour le faire, eh ben, tu vas te faire mener, enfin, toi, là, qui m'écoute, qui est jeune praticien, tu vas te faire mener par le bout du nez par toutes les entreprises. Donc, soit tu le fais, t'as pas d'outils, c'est douloureux, ça fait mal, tu n'auras plus envie de le faire et tu en arriveras à marquer des choses comme ça dans ton contrat. Voilà. Soit tu cherches des outils appropriés et tu le fais et tu ne te feras pas mener par les entreprises. Voilà. Et d'autre part, ce n'est pas valable effectivement pour tous les types de chantiers. Donc voilà. Attention à cette phrase qui, on peut le croire, nous retire du boulot, nous fait bien, marque bien à tout le monde, attention, ça je m'en occupe pas. Mais en fait, parce que tu t'en occuperas pas, tu te mets encore une fois les 3 pieds dans le tapis. Parce que tu vas te retrouver avec un retour du bâton qui est assez violent. Et voilà.
Et donc, il y a des outils qui existent hein, pour arriver à chiffrer, à lister, à quantifier. Voilà, excusez-moi, je reviens. Donc, 5.1.2, alors, je vais charger de feuille, 5.1.2, sélection des entreprises. Alors, là, cette sélection des entreprises, alors, ces sélections des entreprises, maintenant je l'ai compris, à consulter. D'accord? Donc, rajoutez bien à consulter, en fait. C'est pas du tout la sélection des entreprises pour le chantier. Et quand on lit le truc, en fait, on comprend pas forcément bien. Alors, autre chose, il confirme à l'architecte les lots qu'il se réserve. Oui, dans les faits, mais ne l'écrivez pas dans le contrat. Ne vous donnez pas les bâtons pour vous faire battre. Surtout pas. Voilà. J'avais juste ça à dire. Le client dresse, avec l'aide de l'architecte, la liste des entreprises à consulter. Donc c'est là qu'on retrouve le mot à consulter, sélection des entreprises à consulter. Voilà. Dans la limite, quelle limite? D'accord? Quelle limite? Il y en a combien? Autant qu'on veut. Au secours! Et moi j'ai prévu quoi dans mon contrat? D'analyser deux devis par corps de métier? Non mais attends, c'est un truc de fou. Rapidement, ça fait 20 contrats. Hein. Et on à 20 devis. Et on sait très bien que deux devis par contrat, si on fait un appel d'offres, c'est pas cohérent. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous faites une maison individuelle, vous faites voilà, ma pharmacie hein, qui est en cours, donc ça me parle plus. Mais laisse tomber, quoi. C'est un travail sans fin. Voilà. Il doit les déclarer au client, les liens d'intérêt. Alors, les liens d'intérêt, c'est quoi là? On parle de quoi là? Soyez précis. On parle de rémunération, on parle de partenariat, on parle de commission, on parle de quoi? Lien d'intérêt, ça veut dire quoi? Voilà, il faut l'écrire. Hein. Il doit les déclarer au client. Est-ce que c'est déclaré par écrit? Est-ce que c'est déclaré par oral? Ah, je vous l'avais dit, mais ça marche pas. Est-ce que je l'écris? Bah oui, mais je l'écris comment? Est-ce que je fais un mail? Est-ce que ça suffit un mail? Est-ce que... Voilà, bon, bref, hein, au secours. Donc là, sélection des entreprises. Donc, on comprend pas bien dans la sélection des entreprises pour appel d'offres pourquoi l'architecte établit pour le compte du client les pièces nécessaires à la passation des marchés de travaux. Mais on n'en est pas là, les gars. Ce sont des pièces, oui, qui serviront à. Mais pourquoi on en parle dans cet article? Pour moi, ça va pas. Que contient le calendrier prévisionnel? Alors voilà, si le calendrier prévisionnel, on en fait mention. On ne peut pas dire sous quel, on ne peut pas ne pas dire quelle forme il doit avoir. Est-ce que c'est détaillé lot technique par lot technique? Est-ce que c'est début et fin? Parce que moi je mets début et fin. Est-ce que c'est voilà. Attention, là les clients ils peuvent vous demander un détail ultra précis alors qu'on ne sait même pas avec quelle entreprise on va bosser. Donc c'est interprétable. Donc ça crée de la déception. Donc l'architecte il s'arrache les cheveux quoi. Moi ce que je fais avec cette vidéo c'est vous éviter de vous arracher les cheveux. Voilà, c'est tout. Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point. Donc, sélection des entreprises. Donc, c'est là où c'est pas clair. On devrait avoir à ce moment-là les entreprises. Ensuite, premier truc, sélection des entreprises à consulter. Et deuxième truc, consultation des entreprises. Et donc, alors, consultation des entreprises, c'est pour ici. Et analyse des offres, c'est le deuxième. Donc, consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point. Excusez-moi, je dois gérer quelque chose entre deux, c'est pour ça qu'il y a des petits blancs. Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point. L'architecte procède à l'analyse comparative. Voilà, j'en reviens encore une fois à la limite, parce que sinon, bah, on est larbinisable à foison. En fait, tant que le client, il n'obtiendra pas gain de cause, c'est quoi? Rentrer dans mon enveloppe. Mais ce n'est pas ton enveloppe, c'est l'enveloppe travaux, en fait. Et donc, bah là, le client, tant que ça ne rentrera pas dans l'entente, qu'il estime que ça ne rentrera pas dans l'enveloppe, il continuera à faire des appels d'offres à son architecte. Et puis, bah, vous en crèverez. Et peut-être, justement, ce sera l'occasion, avant de quitter le métier, de venir voir d'autres réseaux qui ont des solutions. Donc, à la limite, allez-y, testez.
À l'issue de la consultation d'entreprise en cas de dépassement, du coup, hein, donc l'archi ne connaît pas les prix. Donc en fait, avec ce truc, donc au-dessus, on dit que l'architecte va estimer les travaux. Donc estimer, ça reste, même si c'est, il y a une marge de manœuvre, il estime les travaux quand même. Sauf qu'en fait, moi, alors pardon pour l'actualité qui me déchire les tripes, mais que la guerre en Ukraine, hein, à l'instant même où je vous parle, ça fait pratiquement 15 jours qu'elle a démarré, personne ne pouvait prévoir qu'après la pandémie, on allait se prendre une guerre. Presque nucléaire, on ne sait même pas. Peut-être qu'au jour où vous écoutez la vidéo, il y en a déjà une qui a pété. Moi, j'en sais rien. Donc, tous les dossiers que je suis en train de préparer en estimation, qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi, combien ça va coûter dans 6 mois? Enfin, j'en sais rien. Par contre, je suis capable de vous dire que à aujourd'hui, voilà, et ainsi de suite. Donc là, il faut construire votre discours. Hein. Très, très important, très important. L'archi ne connaît pas les prix. Une 10, 0,9. Une 10, 0,9. Alors là, j'ai pas marqué le temps, dommage. Une 10, 0,9. On est sur le 5.1.3. Et on est 5.1.3. Travaux et réception. Le client et les entreprises retenues par lui, alors retenues par le client, signent les, je pense, j'espère, voilà. Alors aussi, pourquoi c'est marqué contrat de travaux? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un mot générique, mais que je ne connais pas. Donc là, pour moi, c'est nouveau. Je ne connais pas. Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est les devis? Pour moi, ça fait appel au marché de travaux. Le client, donc ça, c'est bien le client qui retient et pas l'architecte. Parce qu'on peut interpréter. Le client convient avec l'architecte des entreprises à la date d'ouverture de chantier, planning prévisionnel. Donc pareil, planning prévisionnel, bah, c'est quoi? Comment est-ce qu'il est décrit ce planning prévisionnel? Bah, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Et en fait, on en dit beaucoup trop, donc le contrat. Ah voilà, ça c'est un peu ma réflexion que je vous ai dit en début de vidéo, mais elle est arrivée à ce moment-là quand j'ai lu les contrats. En fait, on en dit beaucoup trop dans ce contrat. Et du coup, il y a beaucoup trop d'interprétations possibles, en fait. Voilà. Donc il faut en dire beaucoup moins. Si on devait tout dire, ça prendrait 60 pages. Et même, c'est impossible de tout dire en fait. Donc le contrat, il est fait pour raconter une histoire qui tient la route, pour emmener le client, pour lui faire comprendre qu'on est bien intentionné. Et puis ensuite, si on a mal bossé, eh ben, on s'explique. Voilà, on s'explique. Mais il n'y a pas, d'ailleurs, nulle part, ou peut-être j'ai une bêtise. Mais je crois que nulle part, on fait mention de la NFP 0301. Et ça, c'est peut-être un truc un peu dommage. 1h12.05. 1h12.05. NFP 03001. Donc oui, j'étais en train de dire que il me semble que nulle part on fait appel à la NFP 03001 et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il me semble pas l'avoir vu. Hein, je vais pas être catégorique, on va le voir ensemble, mais il me semble pas l'avoir vu. Alors, préparation de chantier. L'architecte organise les opérations préalables au démarrage des travaux en concertation avec les entreprises. Il organise leur intervention et modalité. Bah ouais, coupure d'eau, électricité, conditions d'accès au chantier, accès au réseau. Donc ça y est, là, pareil, encore une fois, l'architecte s'occupe de tout. Il va appeler le concessionnaire pour l'eau, le concessionnaire pour l'électricité. Il va appeler les gens pour mettre les barrières de sécurité pour le chantier. Il va l'accès au réseau, organisation matérielle des réunions. Donc c'est lui qui apporte des chaises, des tables, qui organise une pièce, qui met. Voilà, c'est des promesses en trop. On en dit beaucoup trop. On est en train. En fait, je crois que ceux qui ont rédigé cherchent à prouver. Je pense que c'est très important ce que je suis en train de dire. Les rédacteurs du contrat cherchent à prouver l'intérêt de l'architecte, mais je pense pas de la bonne façon. Voilà. On prouve l'intérêt de l'architecte en racontant la bonne histoire. Voilà, que le client a besoin d'entendre en fait. Mais on ne commence pas à dire tout ce que. Je crois que. Oui, je vais le marquer. 1h13.33. 1h13.33. Preuve matérielle de l'intérêt de l'architecte. En fait, ce contrat est comme les précédents. Peut-être ce que je n'arrivais pas à verbaliser, font l'étalage de l'intérêt de faire passer par un de passer par un architecte. Et le problème, c'est que en faisant cet étalage, on fait beaucoup de promesses. Et si on devait être exhaustif,
toutes ces promesses, on ne pourra pas les tenir. Donc je pense qu'il est là le problème dans le contrat. C'est qu'on va prouver aux gens qu'ils ont raison de faire appel à nous par un catalogue de tout ce que fera l'architecte. Mais le problème du catalogue, c'est que derrière, il faut le faire. Sinon, déception de la part du client. Et du coup, l'arbitrage. Donc, mesdames et messieurs les conseillers de l'ordre, il faut que vous compreniez que oui, ça me hérisse le poil ce que je lis là, mais je suis dans une dynamique de recherche avec vous. Vous ne l'avez pas demandé, c'est pas grave, moi je le fais, voilà, il n'en tient qu'à moi. Et là, je crois que les contrats, ils sont encore dans l'esprit catalogue. Et je crois que c'est ça que nous, nos contrats, nous avons quitté. Nous sommes surtout pas dans le catalogue. C'est très intéressant, je trouve, cette notion de catalogue versus histoire. Hein, c'est le contrat n'est pas là pour justifier nos honoraires. Le contrat est là pour donner l'histoire que les clients ont envie d'entendre. Hein. Alors, visage, pas grand-chose à dire. Direction de l'exécution des travaux. Donc, on est toujours dans le 5.1.3. Hein. Direction de l'exécution des travaux. La fréquence. Alors attends, oui, alors ça, mais ça, c'est des blagues. Je ne peux pas imaginer que les gens qui ont rédigé le contrat, ils fassent du chantier. C'est pas, en tout cas, ils font pas du chantier pour le privé, pour le particulier. C'est pas possible. On n'a pas 8 jours pour rédiger un contrat. On n'a pas 8 ou 15 jours pour donner des réactions. Non, mais sans déconner, quoi. Un chantier, mais c'est dans la minute. Allez, 24 heures. Dans les 24 heures, les questions doivent être résolues. Moi, je suis sans voix. Je suis désolé, mais je suis sans voix. Et la fréquence moyenne des réunions sur un chantier, il n'y a pas de fréquence moyenne. Alors oui, c'est pondéré. Cette fréquence étant adaptée par la. Mais ça veut dire, je vous le dis, mais je vous le dis pas. C'est pas clair. Je suis désolé. C'est pas clair. Ça fait vraiment, je sais pas quoi vous dire. Je suis pas pro. Je sais pas bien où je vais. Mais je vous le dis quand même. Hein. Voilà. Et là, c'est pas pro, c'est pas pro, c'est pas pro. Voilà. Le client formule sous huitaine, par écrit à l'architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier. Non, mais sans rire. Vous, est-ce que vraiment on peut pratiquer ça? C'est pas possible. Moi, je suis désolé, mais au bout de 8 jours, mon chantier, il n'y a plus rien à voir, quoi. Donc non, 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 non. Si vous laissez 8 jours pour réagir à un client alors qu'on doit changer de chaudière parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, non. Non, ça doit être décidé là, maintenant, tout de suite. Hein, il n'y a pas de discussion. Donc on ne peut pas faire une généralité comme ça. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Hein, elle est dangereuse, en fait. Et elle peut vraiment porter à préjudice à celui qui signera ce contrat. Je me bats pour être le moins désagréable possible. Donc vous imaginez, c'est compliqué. Suivi administratif des paiements. Alors, quand on lit la phrase, on bondit une première fois. L'architecte vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours. L'entreprise, elle ne va pas attendre 15 jours, les gars. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, on bondit une première fois, on se dit, bon, allez, passons. Vérifie les factures finales dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Alors, il établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours. Non, mais on est à 45 jours, ou alors j'ai mal compris, mais même 15 jours, c'est pas vivable en fait, même sur les règlements, c'est pas possible. Établir le décompte définitif, alors c'est peut-être effectivement suivi administratif des paiements. Alors attends, proposition de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Mais moi, 30 jours, la réception du chantier, elle est faite en fait. Établit le décompte définitif et propose le règlement pour le solde. Voilà. Donc là, en fait, on mélange, et c'est pas assez clair, je trouve. Parce que je comprends l'esprit, mais c'est pas assez clair. On mélange les règlements réguliers pendant le chantier aux règlements de solde. Hein? C'est pas clair. C'est pas clair. Alors pourquoi pas les 30 jours? Pourquoi pas, mais c'est pas. 30 jours, après ils sont pas d'accord, il faut repartir. Mais votre chantier, mais vous en entendez parler encore pendant 6 mois après que la réception ait été prononcée. C'est pas vivable. C'est pas vivable. Assistance aux opérations de réception. Alors là, apparaît, comme par magie, entre parenthèses, un représentant. Waouh! Moi, j'en ai fait du chantier. Hein. Je ne peux pas croire que ceux qui ont rédigé ça, ils ne l'ont pas vécu. Vous imaginez? Vous avez un client pendant tout le chantier, et puis là, on autorise par le contrat
à ce que ce soit le beau-frère ou le papa de la cliente qui vient pour faire la réception des travaux. Non, mais je sais pas si vous m'entendez taper la tête, mais. Mais jetez-vous tout de suite par la fenêtre. N'allez pas sur le chantier. Pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Je suis scotché. Scotché qu'on puisse écrire un truc pareil. Alors, en tout cas, ça ne correspond pas du tout. Mais alors, du tout. À tous les chantiers que j'ai pu faire jusque-là. J'ai fait un chantier. Je ne sais même plus combien c'était. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, bref. Et puis j'ai fait des tout petits chantiers aussi. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais alors là, je suis scotché. Scotché. Tu veux tuer dans l'œuf ton jeune architecte. Ben voilà, tu lui mets un représentant en réception. Nickel. Voilà, c'est parti. Et on en remet une couche. Hein. Tiens, d'ailleurs. Ou son représentant de l'entreprise à l'entreprise et de l'entreprise concernée. En cas de réserve, formule à la réception, l'architecte suit le déroulement des reprises liées. Et elle est où la limite? Voilà, donc on fait en fait, et là vraiment je suis constructif, hein. Je suis pas dans le, je suis pas dans le, dans le second degré, dans, je dis vraiment que ce qui est essayé de faire depuis trop longtemps avec les contrats de l'ordre, c'est un étalage de à quoi sert un architecte. Et on fait tellement un étalage que l'architecte effectivement est responsable de tout. Donc c'est une catastrophe. Un catalogue, un étalage, et ça je pense qu'on en parlera en journée performance parce que c'est très intéressant comme positionnement. Voilà. Donc là, je mets bien limite, l'arbinisation. Voilà. L'architecte constate la suite à donner. Non, il prévoit ou il propose une suite à donner, mais il ne constate pas. Il ne constate pas une suite à donner. Voilà. Qui est-ce qui a fait le truc? Voilà. Écoutez, je suis désolé, je coupe les cheveux en quatre, mais on est sur un contrat. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des contrats qu'on propose, nous. Il n'y a aucun problème. Je suis au contraire ouvert à la critique. C'est ce qu'on fait tous les jours, toutes les semaines. Excusez-moi, tous les vendredis, on est ouvert à la critique, on améliore, on bouge. Il y a un sujet qu'on doit évoquer avec une adhérente qui a été évoquée sur un réseau social. Et au contraire, au sujet des SCI ou je ne sais plus quoi, là, mais allons-y, fonçons, mettons à jour, améliorons. Bon, allez. 1h21 et 34 secondes. On est sur le 5.2. Quelle page là? Page 7. On n'a pas fini. Hein. Alors, le suivi conformité architecturale, c'est un truc plutôt positif. Comme je ne m'y suis jamais confronté, je ne vais pas m'amuser, je crois, à faire des commentaires. Vous voyez, un petit truc. L'absence d'observation écrite dans ce délai vaut validation tacite. Bah, c'est dangereux. D'écrire ça, c'est dangereux. Parce que là, on parle bien de l'architecte. Donc, c'est-à-dire que si l'architecte n'a pas réagi, tout va bien. C'est qu'il est OK. Ah, au secours, quoi. L'archi, il est malade, il s'est fait renverser, ou je sais pas quoi. Ah, 9 ans et demi après, l'architecte n'a pas réagi. Donc, il était d'accord tacitement. Donc, il prend tout sur les épaules. Bah non, je suis désolé, c'est pas pro. Voilà. Là, en dehors de du suivi architectural, c'est pas une tournure qui est, à mon avis, intelligente. L'architecte est informé par le client de toute modification du programme en cours de chantier. Non, non, c'est pas le programme qui évolue, c'est le chantier, c'est les travaux. Et puis si le programme évolue, il faut tout reprendre depuis de la base. Donc voilà, la chose est trop vague. Encore une fois, on est sur un catalogue, on est sur, attention, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Oui, mais c'est quoi les modalités? Et franchement, moi je préfère ne pas l'écrire, tout simplement, tout simplement. Sinon, il faut écrire tout le reste. Et on ne peut pas écrire tout le reste. Voilà. 1.23.02, article 6. Durée du contrat. Alors, effectivement, avec tout ce qui s'est dit avant, quand est-ce que je suis payé du solde? Est-ce qu'on on attend la fin des réserves? Tout ça. Même plus loin dans le tableau de rémunération, c'est pas très clair. Voilà. 6.2, délai d'exécution. Bon, ça, c'est. Voilà. Là, on est vraiment dans l'ancien système. Qui n'a rien à voir avec la réalité du client tel qu'on le définit aujourd'hui, qui est dans un système tout contrôle. Il n'y a pas de délai d'exécution. Il y a soit je suis un bon professionnel et j'avance, soit je suis mauvais. C'est tout. Je ne sais pas quoi vous dire. Soit je sais gérer un parc client, soit je ne sais pas gérer un parc client. Voilà. Si je ne sais pas gérer un parc client, bah, soit je trouve des méthodes, soit je m'arrête parce que je vais moi m'épuiser, je vais épuiser mes clients, et je vais créer des problèmes. Aucune entreprise n'aura envie de bosser avec moi, mon architecture ne verra jamais le jour. Et là, l'ordre va dire, vous êtes mauvais architecte, vous êtes radié.
Alors, il ne le dira pas parce que bon, y a une cotisation à prendre, excusez-moi, du procès d'intention, mais je l'ai un peu de travers tout ça. Nous l'avons tous de travers, hein, soyons honnêtes, on le sait tous. Mon défaut, c'est peut-être de le dire. Voilà, j'ai une grande gueule. Bon, j'ai une grande gueule, mais tous les vendredis, chers confrères de l'ordre, tous les vendredis, j'offre une journée complète de mon temps pour accompagner, pour expliquer, pour aller de l'avant. Voilà, donc je pense avoir une certaine légitimité à dire tout ça. À dire tout ça, je pense. Donc là, oui, voilà, si vraiment on devait respecter ça et qu'on devait sauver ses miches quand le client fait preuve de mauvaise foi, puisqu'on en a fait son procès d'intention un peu plus haut, il va faire de la mauvaise foi, ça veut dire que le jeune architecte doit être capable, il en est incapable, excusez-moi jeunes architectes, de faire un traquage, un tracking, pardon, de absolument tout ce qui se passe tout partout tout le temps. S'il n'est pas super bien outillé, il va se faire planter. Voilà. La date de réception, la date de versement de la compte après signature de contrat pour la réalisation de mission de construction globale. Voilà, plus un mois, puisque on met les 30 jours de prêt ou de je sais pas quoi en cas de prêt. Bon, bref. La date de réception des documents approuvés. Comment? Alors, c'est écrit un peu plus loin. Là, encore une fois, l'approbation des documents, c'est dans le contrat, c'est fait de façon rigide. Hein, donc, c'est induit par signature ou par écriture que le client approuve. Mais le client ne peut pas approuver parce que quand un client approuve, il est dans choisir, c'est renoncer en fait. S'il dit que ça lui va, ça veut dire qu'il renonce à tout le reste. Et ça, vous ne pouvez pas demander ça à un client. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est tout, c'est pas possible. Voilà, donc il faut avancer avec les incertitudes. Et donc on est dans de l'agilité. Voilà, j'ai découvert le mot agilité il y a peu. Ça fait 10 ans que j'en fais. Je ne le savais pas que ça portait un nom. Bref, allez, on avance. 1, 26, 15. Et article 7. Ah, bah voilà, approbation des livres. Bon, format. Donc, prestations sont remises de façon dématérialisée par tous les moyens de transmission. Vous entendez, c'était la date de remise. Le dossier correspond à chaque élément de mission du contrat, sont fournis en un seul exemplaire au client. Bah voilà, bah c'est ce que je viens de dire hein, dans l'article, dans le chapitre de la vidéo précédent. On est dans un système verrouillé, sclérosé, contrôlant. Et le système contrôlant, c'est fini. C'est plus ça. Aujourd'hui, on est en 2022 et on n'est plus dans le contrôle. On est dans l'agilité. Voilà. Alors bon, bah, les dinosaures et ceux qui n'ont pas envie de bouger, bah, ils ont déjà quitté la vidéo. Donc comme ça, ils ne m'entendent pas. Et puis, bah, ceux qui ont compris qu'ils font partie d'un siècle et qu'on mourra, moi je vais mourir, l'architecture va continuer d'évoluer en fait. Et donc, elle va pas évoluer quand je serai mort. Elle évolue là maintenant, tout de suite, l'architecture. Enfin, mon corps de métier qui est architecte. Donc, si je me fige à une date et que j'attends la fin de ma carrière pour me dire, ah, maintenant l'architecture peut évoluer. Non, mais tous les jeunes, là, tous les ans, ils sont en train de sortir des études, ils prennent le monde tel qu'il est et ils le vivent avec bah, le dinosaure, l'architecte dinosaure qui a décidé qu'il arrêtait d'évoluer, bah, il va crever. Voilà, tout simplement. Donc, à vous de faire le dinosaure ou pas. Donc, voilà, on est dans un système sclérosant et je pense que c'est pas intéressant. Forme de l'approbation, donc je vais faire tout l'article 7 sous le même truc. Allez, 7.2. Allez, 7.2. On est sur 1.27, 1.28. Donc 7.2, forme de l'approbation. Avant d'avoir commencé. En cas de refus de l'approbation, le client doit en préciser les motifs par écrit avant l'expiration des délais d'approbation. Ingérable, je pense. Enfin, c'est pas ingérable, mais avant d'avoir commencé, trop de rigidité. Sortie de contrat immédiate. Enfin voilà, on est toujours dans cette notion de contrôle, en fait, que j'ai expliqué juste avant et juste avant encore. En cas de silence du client à l'issue du délai d'approbation, les documents établis par l'architecte sont tacitement approuvés. Non mais attends, je vais mettre la vidéo parce que là, c'est pas possible. Voilà, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? Ah ben vous avez rien dit, donc je considère. Et puis tu fais quoi à ce moment-là? Le client, il est obligé de te suivre en fait. Bah non, 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 non.
Non, là non plus, c'est non. Silence du client qui vaut approbation, bah non. Silence du client, c'est il repousse tous les délais. Donc pareil, vous avez des outils pour gérer ça, mais franchement, là, au secours. Au secours. C'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas humain. C'est idiot, c'est la tête dans le sable d'écrire des trucs pareils. Pardon, mais voilà, donc allez vers l'agilité, mais n'allez pas vers le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il est tout le temps en train de vérifier le contrat de son architecte pour voir s'il est dans les délais. Au secours. Le paiement des honoraires correspond à l'élément de mission concerné. Vos notifications de poursuivre la mission confiée à l'architecte. Non plus. Non plus. Non plus. On demande au client. On demande au client. Voilà. Et on fait un mail en disant, bah, écoutez, je suis ravi que vous ayez apprécié mon service jusque-là. Et donc, j'ai bien noté que vous vouliez. Voilà! Et que vous vouliez continuer avec moi. Voilà, c'est. Alors, je vais marquer comment. 1-30-09. 1-30-09. Comment poursuivre une mission? Comment obtenir la validation MO? Pour poursuivre la mission. Eh bien, je le répète, du coup, pour ceux qui ont coché pour venir ici, dans cette partie de la vidéo, vous demandez au client. Vous dites, voilà, est-ce que vous êtes satisfait de mes services jusque-là? Est-ce que vous voulez qu'on continue ensemble? Et derrière, vous faites un mail en disant, je vous remercie de m'avoir informé que vous étiez content. Et quand vous êtes devant un juge parce qu'il y a eu un problème pendant le chantier, vous pouvez remonter jusqu'au dernier mail où vous notifiez que le client était content de vos services. Voilà. Mais on ne dit pas, t'as rien dit, donc t'es d'accord. Ou t'as payé, donc j'avance. Bah non. Une 31-14. Article 8. Bon, alors, oui, effectivement, ici, je mettais est-ce que c'est 20% ou pas, pourquoi, comment, les honoraires un taux réduit. Donc, finalement, c'est expliqué un peu plus loin, c'est expliqué à peu près comme il faut. Enfin, je ne l'aurais pas tourné comme ça, mais voilà. Ensuite, qu'on soit en méthode 2 ou 3 contrats proposés par l'ordre, là, on a le document, ce qu'on a sous les yeux, c'est en sortie d'esquisse. Non, mais sans déconner, comment voulez-vous que je sache combien de temps, et donc combien d'argent je vais facturer? Comment voulez-vous que je sache combien de temps va me prendre la direction de chantier alors même que j'ai pas préparé le chantier? Parce que là, quand on écrit ce contrat-là, on est à peine sorti de l'esquisse. D'accord? Donc oui, les grandes lignes sont posées. Quelles entreprises? Si le client, il choisit des entreprises que je supporte pas, qui sont inconnues, qui sont des jeunes entreprises, et on se rend compte qu'il y en a deux qui peuvent pas se piffrer. Mais je vais passer un temps de dingue sur le chantier. Mais un temps de dingue. Et en fait. Le coup de poker, il aura été fait à la signature du contrat en sortie d'esquisse. C'est un, je vais rester poli, c'est un, je sais pas quoi dire d'autre, un fucking coup de poker. Mais c'est hallucinant qu'on puisse écrire ça en 2022. Je suis désolé. Donc non, bah là, je remets en cause aussi la compartimentation des contrats. Il doit y avoir un dernier contrat pour le chantier. Mais on ne dit pas combien va coûter le chantier, alors même qu'on ne l'a pas préparé. Non mais, au secours, au secours. Même il y a des clients qui me disent mais que ce n'est pas logique, hein, puisque moi je leur présente comment je facture moi mes prestations, découpées justement, et quand je leur dis que tant qu'on n'a pas préparé le chantier, je ne saurais pas combien de temps ça prend de le suivre, j'ai besoin d'un petit argumentaire, mais ça tient tellement la route. Comment est-ce que vous... Vous êtes capable, là je m'adresse à ceux qui ont rédigé le contrat, vous ne pouvez pas calquer ce qui se passe dans le public, vous ne pouvez pas le calquer dans le privé. Si vous avez envie de bosser au pourcentage ou au forfait et de jouer au poker avec vos honoraires dans le public, faites-le. Mais dans le privé, c'est une erreur. C'est une erreur. Et vous mettez vos confrères, vos jeunes architectes, vos jeunes confrères architectes. Dans la mouise, clairement. Moi, j'étais super content d'apprendre que les contrats de l'ordre étaient découpés. Je me suis dit, bon, bah voilà, ils ont fait acte de ce qu'on faisait chez nous et tout. Et tant mieux, enfin, franchement, ça va aider les jeunes confrères. Mais c'est, il faut un contrat pour le chantier.
Au secours. Au démarrage de chaque élément de mission, le client verse à l'architecte un acompte de 20%. Là, il faut quand même que l'utilisateur du contrat se rende compte de la quantité de gestion administrative que ça va lui demander. D'accord? Calculer les machins, le chèque qui tombe sur 0,93, qu'il faut écrire tout ça, c'est 192,93. Voilà, le client, il est content d'écrire ce chèque, hein. Puis ensuite, il faut payer la même chose. Bon, je vous passe les détails, mais voilà, c'est concrètement, demander un chèque régulièrement, c'est un effort, on le sait tous, hein, donc voilà, faites attention à cette demande de 20%, de ceci, de cela. Les honoraires architectes sont facturés autour, hein, donc ça c'est expliqué au-dessus. En cas d'interruption définitive, hein, l'indemnité. Ah ouais, alors là, le montant des honoraires dus est complété par l'indemnité. Au secours. Non. Voilà, on ne demande pas d'indemnité, ça s'arrête, on se quitte, bons amis. On sait pas, là, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça va s'arrêter. Et on est déjà en train de dire qu'on va demander tant de pourcents sur ce qui reste à payer. Non, mais sans rire, quoi. Vous préférez pas juste dire au client, ah, mais quelle déception que ça s'arrête. Écoutez, on s'arrête là. Est-ce que vous êtes content jusque-là? Est-ce qu'on est d'accord sur ce que vous m'avez rémunéré? Est-ce que vous reconnaissez que j'ai fait du boulot? Ah, ayez un discours humain, pas contractuel comme ça. Au secours. Ah, bah si, c'est marqué dans mon contrat, vous me devez 20% de ce que vous n'avez pas payé. Mais puisque je vous dis que ma mère est morte, oui, mais bon, c'est écrit comme ça. Non, mais sans rire. Voilà, quoi. Et le cas que je viens de vous donner, c'était pas sa mère, c'était son mari. Voilà. Donc, bah, tu te tais et puis c'est tout. Mais tu ne demandes pas d'indemnité. Même si c'est de la faute du client, même si c'est de ta faute, même si c'est de la faute d'un autre, même si. On s'en fout. Voilà, on s'arrête et puis c'est tout. C'est déjà assez triste comme ça d'arrêter un contrat. Les honoraires comprennent les frais directs liés à la mission. Alors, bon, je pense qu'il faut les écrire quelque part. Clairement, il faut qu'ils soient marqués quelque part. 8.1. 1, 36, 18. Ah, modification de la rémunération en cas de prestations supplémentaires. On est à peine sorti de la visite conseil que l'on annonce que l'on sait par où on va en chantier. C'est trop tôt. On est à la sortie de la visite conseil ou de l'esquisse. Tout dossier de permis de construire modificatif, en particulier le dépassement de la durée de l'exécution des travaux. Ouais, voilà, c'est le même discours que juste avant. Comment voulez-vous connaître le temps du chantier quand vous ne savez même pas quelle typologie de fondation vous allez balancer dans la terre? Voilà, j'ai tout dit là. Donc le contrat n'est pas approprié. Il ne correspond pas à la réalité du métier. D'accord? Je suis un peu estomaqué par tout ça. Voilà. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Posez-vous des vraies questions quand vous rédigez ou quand vous lisez ce contrat avec votre client. Vous êtes en train de lui raconter de la mouise. C'est pas possible. Voilà. Donc, je suis désolé, mais zut. Zut, zut, zut. Et 8.2. 1, 37, 35. Donc 8.2, pénalité applicable à l'architecte. Allez-y, tapez-moi dessus avant qu'on ait commencé. Voilà. Et puis le client, bah, il va faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas dans le délai. Des gens de mauvaise foi, je vous jure, on n'est pas dans les bisounours là. Hein. Puis c'est des relations qui durent 6-9 mois. Hein. Donc attention, non, mais là, c'est juste même pas envisageable. Alors, peut-être que c'est juridique, qu'on est obligé de les mettre. Mais je ne crois même pas, enfin, je dis ça par acquis de conscience et pour rester à ma place de je ne sais pas tout, voilà, mais sans déconner. Allez, article 9. 1, 38, 23. Échelonnement des paiements, délai des paiements. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Flou et catastrophique pour la gestion de la trésorerie. Oui, effectivement, il y a des acomptes, il y a des machins. On sait pas très bien, en fait. On mélange la partie. Comment on appelle ça? On mélange la partie études et la partie chantier, en fait. Donc, c'est un peu flou. Et délai de paiement. Si on en arrive là, autant arrêter la mission. Ah oui. Dans un délai, voilà, oui, c'est ça, dans un délai de 21 jours. Non, mais moi, je vais attendre 21 jours pour me faire rémunérer. Bon, déjà, moi, je me fais rémunérer en avance, de base.
Voilà. Et là, on attend 21 jours pour être rémunéré. Mais genre, j'ai déjà fini deux ou trois livrables dans les 21 jours. Non, mais non, c'est pas envisageable. Là, encore une fois, on n'est pas dans le marché public. On ne peut pas appliquer ce genre de truc dans le marché privé. C'est trop laxiste. Pour le coup, vous voyez, c'est trop laxiste. Hein? Et puis, passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal. Non, mais sans rire, vous en êtes encore là, quoi. Sans mise en demeure préalable. Mais franchement, si on en arrive à ce point-là, c'est juste que le client n'est pas content de la prestation du professionnel. Donc là, faut s'arrêter. Le professionnel a été mauvais. Moi, mes clients, ils sont contents de me faire des chèques. Ils me disent, oh là, on vous paye tout le temps. Oui, mais ils le font. Ils sont contents de le payer. Non, mais attendez, vous inquiétez pas. On est super contents. Voilà, ils me le disent. J'ai même pas besoin de leur demander, quoi. Si vous en êtes à demander des intérêts moratoires, mais ça veut dire que vous auriez dû arrêter votre prestation avec le client depuis super longtemps. Donc le mettre dans le contrat, c'est dire déjà que ça peut arriver. Mais moi, j'estime pas que ça va arriver, quoi. Le client, il me paye. Puis s'il me paye pas, j'arrête de travailler pour lui. Et puis c'est tout. Et puis je repousse les délais. Je dis, bah oui, votre chantier, il commencera que 2 mois plus tard. Vous avez mis 2 mois à me payer. C'est tout. Non, là vraiment, non, quoi. Zut. Alors, on avance. Allez, page 10, on a bientôt fini. Moi, je crève de faim. 1, 40, 39. 1, 40, 39. On est sur l'article 10.1. Et puis, bah, je vais aller directement là. Alors oui, encore une fois, il y a cette notion d'étalage et de catalogue où on a l'impression que dans ce contrat, on essaye de tout dire ce qui est important et qu'on a enlevé ce qui était un tout petit peu moins important. Donc on fait un peu un catalogue des choses qui sont importantes, ce qui est pertinent, parce qu'elles sont pertinentes, en fait, ces informations-là. D'ailleurs, il y en a certaines que je ne connaissais pas et sur lesquelles il faut que je me renseigne un petit peu. Donc on mélange, à mon avis, contrat et marché de travaux. Il y a des choses qui doivent être dites uniquement dans le marché de travaux. Pour moi, les sous-traitances, tout ça, c'est le marché de travaux. Je ne vois pas l'intérêt, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, encore une fois, c'est mettre les pieds dans le tapis parce que du coup, eh ben, on promet des trucs, on dit des trucs qui sont interprétables. Donc pour moi c'est contre-productif, clairement. Information de l'architecte en cas de recours contre l'autorisation d'urbanisme. Alors, ça c'est tout à fait en contradiction avec l'article 5.1.1, page 5, paragraphe instruction demande d'autorisation d'urbanisme, puisque la mission de l'architecte est suspendue dans cet article. La mission de l'architecte est suspendue dans les conditions prévues à l'article 13 du présent contrat. Et dans l'article 5.1.1, l'architecte doit accompagner son client. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, le client, en fait? Vous aurez beau lui opposer cet article, il vous opposera celui-là, et il aura raison. Donc, attention aux incohérences. Et le gars qui va être un petit peu dans les affaires et qui sait lire un contrat, je peux vous jurer qu'il ne vous en parlera pas au jour où il va signer le contrat. Par contre, le jour où le permis n'y passe pas, il va vous le mettre dans les dents. Donc, attention, 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 attention. Donc, mission payée, même si sortie du contrat. Ah oui, elle était pas mal aussi, celle-là. Information de l'architecte concernant la suite de la mission en cas de mission partielle. Donc, on est en mission partielle, on lève les crayons, on s'arrête de la mission partielle, et finalement, il s'engage, il s'engage les données du projet lui permettant de vérifier au stade de la réalisation. Donc, c'est le maître d'ouvrage. Hein. Le client s'engage à communiquer à l'architecte. Donc, sorti de la mission partielle, le client s'engage à communiquer les données du projet, et il en fait quoi le client? L'architecte. Il en fait rien? Bah oui, il est sorti de sa mission. Donc, théoriquement, il a fait rien. Lui permettant de vérifier au stade de la réalisation que les documents d'exécution. Ben non, je vais rien vérifier du tout, les gens. Je suis pas missionné pour ça, ma mission elle s'est arrêtée. Sauf que c'est écrit dans mon contrat. Eh ben voilà, je suis pas missionné, mais c'est écrit dans ton contrat. Donc tu le fais. L'arbinisation. Allez, 10.2, 1.43.37. Donc, 1.43.37, 10.2, droits et obligations de l'architecte. Bon, où est la RE? Où est la RE, les amis? Votre contrat, il est sorti fin janvier, et la RE, alors bien qu'on ne sache pas très bien, et peut-être que vous avez prévu d'améliorer le contrat, et peut-être qu'il est déjà amélioré à la date où je fais cette vidéo, je n'en sais rien, où est la réglementation énergétique? Non, on n'en parle pas. Bon.
Ah oui, réglementation thermique et environnementale. Bon. Alors, ok, éventuellement. Moi, j'en aurais quand même fait deux articles différents. Voilà. Et puis, droits et obligations se résument à l'information du client et la réglementation thermique. Comment dire que, sans rentrer dans le détail, droits et obligations de l'architecte. Voilà. C'est tout. Donc, il n'est pas obligé d'envoyer les trucs en bonne date. Enfin, je veux dire, c'est autant ne rien dire du tout. Enfin, voilà. Donc, ça fait bien d'avoir un article droit et obligation de l'architecte. Qu'est-ce qu'on va mettre de temps? Attends, je réfléchis. Il doit informer le client et il doit faire la réglementation thermique. Ouais, et les VRD dont on parlait plus tôt, ils s'en occupent plus là. Voilà. Bon, c'est là où vous voyez que mon ton, c'est vrai, il monte un peu. Parce que j'arrive au bout et que du contrat. Et que franchement, c'est. J'ai mal au cœur. Je vous promets que je suis très sincère en disant que j'ai mal au cœur, en fait. Voilà. Alors, je sais, les conseillers travaillent de façon gratuite, ou pas rémunérés, ou pas grand-chose. Voilà. Mais attention, parce que là, vous ne protégez pas l'architecture, en fait. On ne vous demande pas de protéger les architectes, on a bien compris, c'est les syndicats, c'est machin. Mais là, en ne protégeant pas les architectes, en leur mettant des bâtons dans les roues, je suis désolé, mais vous ne protégez pas. L'architecture. J'ai vrai ou j'ai raison ou j'ai pas raison? Si vous donnez pas les moyens aux architectes de travailler de façon sereine et intelligente, je vous jure, j'ai presque les larmes aux yeux. Je suis suffisamment investi dans mon métier pour que ça me fasse vibrer les tripes. Hein? Mais là, en ne protégeant pas l'architecte et en donnant tous les moyens au maître d'ouvrage pour avoir gain de cause, parce que c'est ce qui se passe dans ce contrat, vous ne protégez pas l'architecture. Vous mettez l'architecte en défaut, en position de défaut. Et donc là, encore une fois, l'architecte s'emploie à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques. Mais d'où? D'où il s'emploie à le faire? Il s'emploie à proposer des solutions architecturales et techniques. D'abord, c'est les entreprises qui vont les mettre en œuvre, donc attention aux mots employés. Et deuxièmement, c'est le client qui va décider. De le faire ou de ne pas le faire. Mais on est dans un contrat là. L'architecte s'emploie à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques. Non. Article 11. 1, 46, 47. L'architecte, alors qu'est-ce que j'ai mis? Ne saurait anticiper l'actualité qui peut avoir des impacts non négligeables. Alors j'en ai parlé déjà un peu plus tôt dans la vidéo. L'architecte ne saurait davantage anticiper les règles. Donc ça c'est un très bon article et je pense qu'il faut qu'il soit complété de ne saurait anticiper l'actualité qui peut avoir des impacts. Et ça effectivement, anticiper l'actualité, ça c'est quelque chose que je vais ajouter à nos propres contrats. C'est très pertinent la façon dont c'est écrit. Ne saurait davantage anticiper, ne saurait anticiper les règles, ne saurait anticiper ainsi de suite. Je trouve que les mots sont pertinents, percutants. Après, au niveau juridique, il faudrait savoir s'ils sont non interprétables. C'est ainsi, au seul client, alors j'ai mis E, au-delà des questions de l'architecte n'a pas pour mission de s'assurer de la compatibilité des différents. Des différentes réglementations administratives. Franchement, cette phrase, je l'ai relue plein de fois, parce que pour moi, il est justement là pour assurer la compatibilité du projet avec les règlements administratifs. C'est que vous envisagez par le maître d'ouvrage. Oui, alors, on comprend que c'est le client qui voudrait. Alors, déjà, maître d'ouvrage, ça devrait être écrit client, puisque c'est le mot client qui est utilisé depuis le début, de s'appliquer au projet envisagé par le maître d'ouvrage. C'est ainsi au seul client de prendre attache avec les administrations concernées. Par son projet pour s'assurer de la faisabilité au regard des règles applicables au projet. Bah non, vraiment, je comprends pas là. Il se fait justement accompagner par un pro pour ça. Donc là, c'est trop facile quoi, je te renvoie la balle. Non, j'ai du mal à percuter la pertinence de ces quatre lignes. Pour moi, elles sont. Un juge qui va lire ça, il va rigoler quoi. Il se fout de la gueule du monde, l'archi quoi. Il dit un truc, puis il dit l'inverse après quoi. Donc non, pour moi, c'est pas cohérent. Pour moi, c'est pas cohérent. 1,48,56, 1,48,56, on est sur l'article 12, on arrive au bout.
Donc en fait, on fait ce qu'on veut, c'est pas grave. Le client est titulaire doit réaliser un seul exemplaire de projet dès lors qu'il peut. Dans l'hypothèse où le client poursuit, sans le concours de l'architecte, auteur d'une œuvre architecturale, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte son œuvre et se rapproche de l'architecte avant toute modification envisagée. Bon, en fait, c'est vrai, c'est ça, quoi. Il fait ce qu'il veut, le client, c'est pas grave. L'architecte dispose du droit de prendre des photos de bâtiments. Le client, dans les conditions déterminées avec le client. Bon, il y a... Donc la propriété intellectuelle, finalement, elle n'est pas du tout encadrée. On fait un peu ce qu'on veut. Pour les premières lignes, il dispose du droit de prendre des photographies du bâtiment, y compris des... Donc ça, c'est très bien. Mais à des conditions, voilà, conditions à déterminer avec le client. Donc encore une fois, on protège le consommateur. Voilà. Attention, voilà. Mais du coup, si les conditions du client, c'est telle date, telle heure pendant une demi-heure, eh ben, ce sont des conditions déterminées avec le client. Voilà. Et si le client ne propose pas autre chose, bah, l'architecte, ses photos, bah, il peut se les mettre dans rien du tout. Voilà. Il ne les fera pas. Et le client impose son nom, l'architecte, voilà, selon les modalités convenues. Et je pense que c'est dans le contrat. Alors, que ce soit les photos ou... apposer son nom, ça doit être dans le contrat finalement. Ça doit être inscrit dans le contrat. Quelles sont les modalités convenues entre les parties? Ça doit être défini dans le contrat. Si, alors 13, article 13, 1, 50, 47. Suspension de la mission, contrôle, agilité. Donc là, on est toujours dans cette notion de contrôle et d'agilité. Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu'après. Voilà, donc en fait. Donc oui, c'est bien. Là, pour le coup, c'est un petit peu encadré, mais on est plus dans le contrôle que dans l'agilité. Moi, je ne vais pas forcément rompre le contrat. Je vais repousser les dates. Et quand le client revient me voir, je vais lui demander un peu d'argent pour reprendre le dossier, parce que c'est écrit dans mon contrat. Et puis, je vais lui dire, oh, bah, voilà, vous êtes revenu 3 mois après, sans nouvelles. Moi, je veux bien, mais du coup, bah, tout est repoussé. Puis, si vous ne le comprenez pas, bah, vous changez d'archi. Moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Mais voilà, je ne vais pas rompre mon contrat. Je vais pas, enfin... Après, je suis peut-être un peu limite en faisant comme ça, mais je... Bon. Alors ensuite... Les modalités d'indemnisation, bon, on en revient à ce qui était dit tout à l'heure, je veux dire. Voilà, quittons-nous, bons amis. On arrête les indemnisations. Il faut arrêter les conneries. Bon, litige. 14, donc article 14, et on est à 1.52.02. Article 14, les litiges. Alors, je me suis fait une réflexion toute personnelle, puisqu'on arrive à la fin du contrat. C'est que on termine le contrat avec les litiges. Là, je ne parle pas de l'ordre, hein, je parle même sans doute de mes contrats aussi. Ce qui est un peu dommage parce que on termine la lecture sur un goût un peu amer, les litiges. Donc, parce qu'il faut les gérer, c'est clair. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que les litiges, il faut les gérer peut-être au milieu du contrat, à un autre endroit. Mais c'est une remarque que je me fais à moi-même aussi pour nos propres contrats. Et enfin, alors oui. La saisine du conseil régional est facultative. Voilà. Donc c'est en gros, c'est là, c'est genre ouais, vous pouvez faire appel, mais en fait, je vous le dis pas trop, cher maître d'ouvrage, cher client, mais en fait, c'est facultatif. Hein, donc vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez ne pas le faire. Ok, bah vous le protégez. Vous la protégez où votre architecture si vous protégez pas votre architecte? Je crois que le truc que je vais vraiment retenir de cette analyse des contrats, c'est ça. C'est l'effet catalogue. Alors bon, je vais venir sur la conclusion, mais l'effet catalogue et cette notion de protection de l'architecture, bah oui, mais à ce moment-là, protéger. Alors, protection du consommateur. Ok, d'accord, on va en parler. Résiliation du contrat, donc article 15, 1.53.30. Donc 1.53.30, résiliation de contrat. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Les intérêts moratoires. Bon, je pense que je me suis assez exprimé sur le sujet. Voilà, là, j'ai marqué sans deck, quoi. Enfin, sans deck, enfin, au secours. Voilà. Résiliation. Donc, encore une fois, les histoires d'intérêts moratoires que je ne peux pas imaginer, là non plus. Alors, stipulation particulière.
Donc article 16, 1,54, 0, 1,54, 13. Article 16, stipulation particulière. Je suis pas fan parce que c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. Et effectivement, si le contrat est rédigé d'une façon logique, calme, posée, expliquante, agile, les stipulations particulières n'ont finalement plus lieu d'être parce que l'agilité est là et qu'on sait que ça bougera en fait. Et stipulation particulière, c'est-à-dire, putain, quand je vais signer, si j'ai pas mis la bonne stipulation particulière, elle sera pas écrite et du coup, elle sera pas prise en compte. Et moi, je trouve ça pas. J'ai aucune envie de le mettre dans mes contrats. Hein. C'est une idée, mais que j'ai pas envie de prendre. Voilà. Donc 1,55, ça va être la conclusion. Donc 1,55,06, nous sommes sur la conclusion de cette vidéo. Je suis désolé, mais à ce stade des contrats, je les trouve dangereux pour le jeune architecte, contre-productifs. J'ai un a priori, vous l'aurez compris, je pense, excessivement négatif. Sur vraiment cette façon de proposer les jalons architecturaux entre un client et un architecte. Beaucoup de dangers, beaucoup de larbinisation. Je pense que pour être vraiment dans l'aspect constructif, c'est-à-dire que je le répète, je n'ai pas cherché à démolir à tout prix le travail qui a été fait par mes confrères. Malgré tout, je n'ai pas le sourire. Ce n'est pas mon but. Ce n'était pas mon but dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai pris le temps d'analyser les éléments qui sont écrits dans le contrat et d'en faire le ressenti que j'ai par rapport aux jeunes archis ou aux jeunes praticiens que l'on peut avoir qui m'approchent. Voilà. Je pense que dans ces contrats, on est encore dans un système rigide de tout contrôle. Voilà. Et aujourd'hui, on est en 2022, c'est plus ça, un client. Un client, on doit accompagner ses évolutions. On ne peut pas lui dire si tu n'as pas répondu dans les 15 jours. C'est fini pour ta pomme. C'est pas possible de faire ça. Ça n'est plus accepté par le client, en fait. Voilà, ça, c'est plus possible. Ensuite, un autre travers général, c'est l'effet catalogue et étalage. C'est-à-dire que les anciens contrats faisaient encore plus étalage de tous les dangers. Là, ça a été élagué, on va dire. Malgré tout, il y a encore cet effet étalage. Catalogue tout ce que l'architecte va faire, dont il est responsable. Et finalement, c'est contre-productif dans le sens où vous faites une liste de tout ce que vous allez faire. Mais vous savez quoi? Vous allez devoir le faire. Combien de temps ça te prend? J'en ai rien à faire. Moi, client, ça m'est complètement égal. Mais tout ce qui est écrit là-dedans, tu vas le faire. Et tout ce qui est écrit là-dedans, vous pouvez multiplier vos honoraires par 3 ou 4. Je me demande. Si chez Instanté, on a nos contrats qui correspondent à nos trucs. Mais je me demande si une piste pour définitivement proposer des contrats qui tiennent la route aux jeunes confrères, on n'est pas sûr d'éviter cet effet catalogue et au contraire, justement, aller raconter une histoire à nos clients, une histoire qui tient la route, où on va faire le moins de promesses possible. D'accord? La meilleure façon de ne pas être interprété, et alors là dans ce contrat c'est interprétable quasiment 5 ou 6 fois voire plus par page. Donc la meilleure façon de ne pas être interprété, c'est de ne rien dire. Et la meilleure façon de ne pas créer la déception, c'est de ne pas faire les promesses. Et malheureusement, quand on est sur le catalogue ou l'étalage,
On est exactement dans ces deux travers-là. On va être interprétable parce qu'on aura trop parlé. Et on va créer de la déception parce que finalement, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas s'en occuper. Je crois que ces 10 dernières, 15 dernières années où j'ai fait évoluer mes contrats sont allées vers ça, vers l'histoire qui raconte juste ce qu'il faut raconter. Et puis le fait de ne pas être interprétable et de ne pas créer la déception. Conclusion numéro 2. 1h59 et 44 secondes. La notion de protection du consommateur. J'ai écrit toutes les minutes et les heures à laquelle j'ai changé de sujet et vous aurez donc l'arbitrage en bas de la vidéo. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, mais que fait l'ordre, on fait que le payer, ça sert à rien, et moi le premier. Je m'inclus dedans, il n'y a pas de problème. Et souvent on nous répond, mais t'as rien compris, l'ordre est fait pour protéger l'architecture, les syndicats sont faits pour protéger les architectes. D'abord, l'ordre n'est pas là pour protéger l'architecture, il est là pour protéger les consommateurs. Et quelque part, les protéger de quoi ? Bah, d'un professionnel qui serait mauvais. Non ? Pourquoi le professionnel, il est mauvais à votre avis ? Bah, peut-être que sa formation initiale n'est pas suffisante, mais là, on rentre dans un autre débat. D'accord ? Et qu'effectivement, bah, ça fait le jeu de réseaux comme j'ai créé ou comme d'autres réseaux, et c'est très bien finalement. Ceux qui ont envie de se mettre à leur compte se posent un peu plus de questions, et les autres qui pensent tout savoir bah, se plantent parce que c'est la réalité. Et donc, protéger le consommateur, c'est le protéger des mauvais architectes ou de ceux qui pratiquent mal. Mais pourquoi ils pratiquent mal ? Bah, parce qu'ils ont peut-être des mauvais outils à la base. Comprenez bien, cher ordre des architectes, que les critiques constructives qui sont faites dans cette vidéo sont faites comme des points d'amélioration. D'accord ? Quand on fait un point avec son équipe, il y a les points positifs de la semaine et il n'y a pas les points négatifs. Ça n'existe pas, les points négatifs. Ce sont des points d'amélioration. D'accord ? Et donc, pendant ces 2 heures de vidéo, plus les 2 ou 3 heures que j'ai passées avant pour vraiment analyser vos contrats, les contrats que vous proposez, j'ai été dans une recherche de comment on pourrait améliorer. Et donc, en est sortie cette notion, où est-ce que c'est ? Je pense vraiment d'effet catalogue. C'est pas là, c'est pas grave, d'effet catalogue, d'effet étalage, qui est tout à fait contre-productif, du tout contrôle, qui n'est pas du tout approprié dans notre mission, qui n'est plus approprié. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, ceux qui ont écrit ça, mais même ceux qui ont 40 ans comme moi, je vais avoir 41 ans dans 2 jours, voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais par rapport à un jeune, le tout contrôle qui est proposé dans ce contrat, c'est pas du tout ce que vivent vos clients. Et quand vous, qui êtes peut-être d'une autre génération, avez des nouveaux clients, les gens que vous avez en face de vous sont dans la génération agile. Un grand merci de m'avoir écouté. Merci, je ne sais pas si c'est merci que je dois vous dire. J'espère surtout que vous aurez trouvé de l'information. Vous aurez certainement vu quelqu'un de très motivé, de très sûr de lui, en regardant cette vidéo, parfois désobligeant, je m'en excuse, mais je suis pris aux tripes par tout ça. Voilà, c'est la partie professionnelle de ma vie, mais qui est absolument passionnante. Et donc, voilà, j'espère vraiment de tout cœur que vous aurez pu trouver des informations.
Je ne peux pas quitter cette vidéo sans vous dire qu'effectivement, nous avons créé le réseau instanté, le réseau de maîtrise d'œuvre instanté, qui a effectivement ses propres outils, ses propres contrats. Vous avez l'accès à l'académie instantée juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes disponibles sur Discord. Nous sommes disponibles tous les vendredis sur Zoom de 9h à 17h, sauf le mois d'août et les deux semaines de fêtes de fin d'année. Nous avons des mentors, nous avons des outils, nous avons des process, nous avons une énergie débordante et à plusieurs mentors, nous avons une journée complète par semaine à vous offrir le vendredi de 9h à 17h pour vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter pour que vous puissiez faire de la belle architecture et que vous soyez mais tellement fier de votre métier, fier de votre journée passée, de vos actions, que vos clients vous regardent avec de grands sourires. Voilà, c'est possible, on peut en vivre et